On va commencer par dire bonjour à tout le monde, même si on vous parle depuis tout à l'heure, sans vous voir ni vous entendre. Et puis on va vous remercier de votre présence, bien sûr, ainsi que de celle de vos formateurs, puisqu'on en a vu un certain nombre passer tout à l'heure. Laurent, peut-être on passera donc le programme tout à l'heure, parce qu'on a un petit changement de date, mais peut-être que c'est toi donc qui va démarrer. En fait, le but de cette conférence, enfin de ce cycle de conférences, tient peut-être simplement pour donner le cadre général, à la création d'un réseau régional de recherche en Nouvelle-Aquitaine qui porte sur la bande dessinée. Et donc, on est un certain nombre à être mobilisés autour de cet objet de la bande dessinée. Et on s'est dit que le mieux pour commencer justement les actions de ce réseau, eh bien, c'était de vous faire un petit tour d'horizon, disons, de ce que la recherche pouvait donner, mais en gardant aussi un axe professionnel. Vous verrez plus tard comment ça a été conçu, de manière à ce que ça puisse tous vous intéresser en abordant donc, différentes thématiques, la formation, la création, l'édition. Et donc, à partir de là, on espère que vous verrez aussi, je sais en tout cas qu'en métier de l'édition, il y en a certains qui sont intéressés par ce type de recherche, que la bande dessinée est devenue un objet de recherche tout à fait, comment dire, fréquentable, bien qu'elle ait eu longtemps une mauvaise réputation. Donc voilà peut-être pour les quelques premiers mots. Laurent, tu veux compléter? Non, 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 c'est simplement juste deux mots pour dire que l'originalité en fait de notre démarche, hein, c'est d'être parvenu à lier donc des masters de deux universités pour ce programme de formation qu'on espère profitable aux étudiants. Et on attend leur retour évidemment, naturellement. Bon, écoute, on va peut-être démarrer. Donc, la première séance, c'est une séance introductive. Donc, on va se livrer à un grand tour des enjeux de la recherche en bande dessinée en France. Et puis, vous allez voir qu'on va essayer de refaire peut-être un peu d'histoire aussi pour mieux comprendre les choses. Et je pense que c'est toi, Laurent, qui démarre cette première partie. Alors, moi, je ne vois plus le PowerPoint à l'écran. Donc, je te vois, toi. Je remets. C'est parti, vous le voyez là? Non, pas encore, mais c'est juste ça, c'est parce que c'est ta pastille. Voilà, là, il y a. Tu peux y aller. D'accord, très bien, très bien. Bonjour à tous. Alors, donc, les enjeux de la recherche en bande dessinée en France. Et donc, commençons par parler un peu de ce secteur de production de la bande dessinée. À l'heure actuelle, la bande dessinée est en pleine expansion. Vous en entendez parler un peu partout. Ce secteur est le quatrième en importance du marché du livre. 13% des ventes. Après, donc, la littérature qu'on appelle générale, qui est à 20%, la littérature jeunesse, 16%, et les sciences humaines, donc, qui sont à 14%. Parmi les 30 livres les plus vendus en 2019, on trouve donc trois bandes dessinées que vous avez ici sur la gauche. Donc, des choses qui sont évidemment très très connues. Donc, le dernier Lucky Luke, hein, un cow-boy à Paris, qui est donc la 8e vente. Le dernier Blake et Mortimer, 12e des ventes. Et puis, donc, le Riyad Satouf, l'Arabe du futur, tome 4, qui est 22e des ventes de BD en France. Est-ce qu'on peut peut-être ajouter, Laurent, à ça, simplement parce que c'est quelque chose que vous verrez tout le temps, c'est qu'en fait, la bande dessinée fait des très grosses ventes, mais sur des bandes dessinées qui sont excessivement connues. Et donc là, en fait, c'est presque une surprise que le Riyad Satouf arrive 22e, parce qu'il s'inscrit plutôt dans une bande dessinée indépendante, là où Lucky Luke, Astérix, Blake et Mortimer sont toujours très bien classés et, on va dire, remplissent sans cesse, les ventes de leurs éditeurs, classiquement. Oui, bien sûr, oui, comme les Astérix ou autres blockbusters. Les ventes en 2019 en France seraient de 48 millions d'exemplaires. Selon l'Institut GfK, entre 2008 et 2018, le marché de la bande dessinée a gagné 34% en valeur, dont 2% donc entre 2017 et 2018. L'Observatoire de la librairie annonce que la plus forte progression de ventes en librairie est réalisée en bande dessinée,
avec donc 7,4% de ventes en plus, ce qui est assez, assez gigantesque. C'était déjà en plus 6,3% en 2018. Donc, cependant, ces chiffres qui sont impressionnants, qui montrent un secteur qui est extrêmement dynamique, en cachent en réalité la fragilité. En effet, le pourcentage de lecteurs de bandes dessinées est en baisse constante depuis 1988. Alors pourquoi 1988 ? Parce qu'on a des statistiques de la part du DEPS, du département des statistiques du ministère de la Culture, simplement depuis cette date, depuis 1988. C'est à cette époque l'économie de ce secteur est devenue tellement importante qu'il devenait indispensable d'y prêter plus attention. Et cet intérêt, évidemment, n'a fait que croître jusqu'à aujourd'hui. Donc, un secteur qui est en fragilité, des lecteurs, un nombre de lecteurs qui baisse. Philippe Lombardo et Lou Wolf, dans l'enquête 2020 que vous avez peut-être consultée sur les pratiques culturelles des Français, vous avez mis le lien sur le PowerPoint, c'est quelque chose c'est un petit livre qui est gratuitement téléchargeable. Donc, cette enquête sur les pratiques culturelles des Français montre que depuis 30 ans, les lecteurs de bandes dessinées sont de moins en moins nombreux. Leur part diminue de moitié au sein de la population entre 1988 et 2018, passant de 41% à 20%. L'augmentation des ventes est ainsi en partie due à un public qui vieillit et qui a donc plus de moyens financiers. En plus d'une désaffection des jeunes qui s'accentue, on remarque que pour chaque génération, la lecture est une pratique qui décline au fil de l'âge. Ceci est vrai pour la lecture, mais c'est encore plus important dans le cadre de la bande dessinée. On vous a mis tous les graphiques ici qui montrent ce déclin de la lecture. Ainsi, alors que 2020 a été déclarée l'année de la bande dessinée par le ministère de la Culture, et qu'enfin cet art bénéficie d'une indiscutable reconnaissance, il est plus que jamais nécessaire de s'attacher à en étudier l'écosystème pour mieux le comprendre et aider au développement de cette filière économique et culturelle. On vous a mis ici le lien vers le site du ministère de la Culture qui présente BD 2020 qui est devenu BD 2021 puisque à cause de la crise sanitaire, cet événement a été prolongé jusqu'en juin de l'année prochaine. Voilà, donc vous avez toutes les manifestations qui ont été annulées et qui auront peut-être lieu donc jusqu'en juin 2020 sur la bande dessinée. Alors c'est dans ce contexte que la région Nouvelle-Aquitaine, consciente de l'importance des enjeux culturels, économiques et de formation des professionnels, a décidé de créer un réseau régional de recherche. Le cycle de conférences que nous vous proposons cette année s'inscrit dans ce projet. Et on y reviendra certainement à plusieurs reprises pendant la discussion. La bande dessinée n'a pas toujours eu l'heure de plaire aux chercheurs. Leur intérêt est récent. Et ce n'est que depuis peu d'années qu'on s'intéresse à la bande dessinée comme un objet de recherche digne d'intérêt. Auparavant, voilà, ça faisait, quand on disait qu'on travaillait sur la bande dessinée, c'est vrai que ça faisait un peu rire. Parce que ce n'est pas quelque chose de très sérieux. Sylvain confirme. Ben oui, ça dépend, on en parlera après, mais ça dépend des disciplines. Mais pendant très longtemps, en sociologie, je veux dire, on était trois à travailler sur la bande dessinée. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas très sérieux, quoi. Et en histoire, quand on s'intéressait à la BD, on regardait les travaux un peu en cachette pour ne pas choquer nos collègues. Avant d'aborder la question des enjeux de la recherche en bande dessinée dans l'Hexagone, donc il semble nécessaire de revenir brièvement sur l'histoire de ce médium et sur l'histoire de la recherche en ce qui le concerne. Alors, la bande dessinée est tout d'abord un art pour les enfants. Dans le monde francophone, le dessin, dès son origine, est conçu comme un moyen de favoriser l'accès des enfants et des jeunes à la compréhension des textes. En 1827, Rodolphe Töpffer, vous avez donc ici
simplement deux petites pastilles, enfin une petite pastille là, qui représente deux dessins de Topfer. Alors, on vous a mis l'adresse du site internet de référence sur Topfer, et puis les ouvrages sont en grande partie téléchargeables maintenant sur Gallica, ils ont été mis en ligne. Donc c'est évidemment un outil très important pour les chercheurs. En 1827, donc, Topfer, qui lui est un pédagogue genevois, issu d'une famille d'artistes, crée une première histoire à destination de ses élèves, qui associe le dessin que vous avez en haut et puis le texte qui figure au bas des images. Louis Hachette, dès 1835, profite, lui, de la loi Guizot en France pour s'imposer sur le marché du livre scolaire, puis du livre pour les enfants. Donc, pour ceux qui l'ignoraient, donc la loi Guizot, je vous ai mis ici un petit encadré, donc, qui était le ministre de l'Instruction publique sous Louis-Philippe, et qui fait voter une loi qui instaure l'enseignement public et gratuit pour les enfants. Bon, ce n'est pas à préciser, mais c'est pour les garçons. Hein, c'est pour les garçons uniquement, ouais. Et c'est, si ma mémoire est bonne, uniquement pour les communes de 800 habitants. C'est ça, oui, c'est pour les plus pauvres. C'est que Victor Duruy, plus tard, hein, qui inclura les filles dans cette éducation primaire. Il n'y a aucune obligation pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, hein, naturellement. Mais voilà, c'est un premier pas. Et Hachette en profite donc pour s'imposer sur ce marché du livre scolaire. Ce sont ces prémices qui installent les premières œuvres de narration graphique en France, dans le domaine de la presse enfantine, où je vous ai mis ici simplement pour illustration quelque chose dont on va reparler tout de suite, puisque après la semaine des enfants, naît le magasin d'éducation et de récréation, c'est ce que vous avez ici, hein, La Grande Forêt par Jules Verne et puis Jules Hetzel qui est aussi celui qui édite en fait cet ouvrage, vous voyez. On est dans un délicieux colonialisme, voilà, qui fait frémir aujourd'hui, mais qui était très, très à la mode à l'époque. La bande dessinée s'installe petit à petit dans les journaux illustrés pour enfants. Donc voilà, par exemple, ici, hein, le magasin d'éducation et de récréation de Hetzel, c'est 1864, hein, les débuts, mais ça commence très, très doucement. Ce n'est que dans les années 70 que ça devient vraiment quelque chose de... qui se vend à plus d'exemplaires. C'est une revue, en fait. C'est considéré comme une revue. La bande dessinée donc s'installe petit à petit dans les journaux illustrés pour enfants et le trait est encore très, très simple et ne se détache pas du texte, dont il est souvent redondant. En règle générale, il n'apporte pas grand-chose au texte, si ce n'est de l'illustrer. Ces prémices bâtissent les futures difficultés de la bande dessinée à se construire en France, comme un art spécifique, tourné vers le divertissement ou l'éducation des enfants, et né de l'industrialisation et des médias de masse, elle ne peut prétendre à l'universalisme ou à l'unicité des œuvres. Le dessin est instrumental. Il doit favoriser l'accès de son public au sens développé dans l'histoire. Et c'est bien parce que les bandes dessinées concernent avant tout un public enfantin que leur valeur même va être mise en cause. Comme le résume Springhold, donc, ne passe pas, excusez-moi. Ah, voilà. Je vous le traduis en français, hein. Voilà ce qu'il dit, quel que soit... Ce qui amuse les jeunes, si cela a un prix et ne semble pas élever le goût du public, cela amène la critique. La bande dessinée est critiquée dès le début du siècle dernier. L'arrivée en France des strips américains à partir des années 30 va déchaîner une sorte de panique morale, pour reprendre le terme à Springhold, qui va prouver son apogée à partir de l'après-guerre et amener à l'adoption de la loi du 16 juillet 1949, loi très importante quand on travaille dans l'édition et dans la culture, évidemment. Cette loi, donc, sur les publications destinées à la jeunesse en France,
entraîne également la création de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Cette dernière commission met en avant d'abord plus que le danger, cette dernière loi, pardon, met en avant d'abord plus que le danger du dessin, celui de l'image, une image qui nuirait au développement intellectuel de l'enfant. L'image faisant tout, cette lecture consiste en un abandon passif à des impressions sensorielles qui exercent une suggestion violente et éliminent tout contrôle critique. Vous voyez, l'image est quelque chose de terrible et d'abominable. Quand à l'imagination, le champ lui est fermé par la représentation concrète de la totalité des scènes relatées. Donc, vous trouverez ça dans un article qui est très facile à trouver, hein, qui est de Jean-Mathieu Méon, « L'illégitimité de la bande dessinée et son institutionnalisation ». En France, donc, dans la revue Hermès et sur Kern. Donc, c'est très, 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 très simple à trouver. Ça fait peu de pages. Vous avez en 5 pages des choses vraiment extrêmement intéressantes sur ce sujet. La bande dessinée apparaît donc à cette époque comme un objet peu reluisant. Et peu de chercheurs vont vraiment l'aborder, voire aucun, en fait, à cette époque. À partir des années 60, on entre dans une nouvelle époque, l'expansion de ce secteur vers les adultes. On quitte le monde de l'enfance pour aller vers le monde des adultes. Dans les années 60, en effet, les éditeurs visent un public de jeunes mieux éduqués et plus autonomes, pouvant constituer un important débouché. Ce nouveau lectorat est né de la massification scolaire, bien sûr, qui a permis un accès plus large à des études et des études plus longues aux jeunes des classes populaires. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'arrivée de journaux qui se destinent à un lectorat mieux éduqué et plus adulte. Hein. C'est le cas des deux exemples que vous avez ici. Donc, Pilote, en 1959, vous avez ici le premier numéro du 29 octobre. Hein. Ça, c'est un journal. Voilà, avec des jeunes en short sur la première couverture. Et puis, autre chose, donc, avec Harakiri, en septembre 1960, dans des styles évidemment très, très, très différents, eh bien, ces deux revues se destinent à des publics qui sont beaucoup plus matures. Peu à peu, donc, la bande dessinée va se détacher d'un unique public enfantin pour s'affirmer davantage comme un art destiné aux adultes. L'avènement des explorations graphiques et des contenus plus matures va se poursuivre avec la création de l'Écho des savanes en 1972. Vous avez ici également la première couverture, puis celle de Métal hurlant, dans un style vraiment très différent, évidemment, en décembre 1974, et encore, eh bien, Flux glacial, en avril 1975. C'est dans cette mouvance que la bande dessinée belge va enfin venir s'inscrire, alors que Tintin et Spirou restent tournés vers un public juvénile. La revue Le Neuvième Rêve, en 1976, issue de l'Institut Saint-Luc, alors sous la houlette de Claude Renard, promeut donc des bandes dessinées plus adultes. Enfin, en février 1978, l'éditeur belge Casterman, vous avez à côté l'illustration, eh bien, lance à suivre, qui est donc destiné à un public essentiellement adulte, enfin, uniquement adulte. Et le rôle d'à suivre hein, dans le développement des romans graphiques ne sera pas négligeable du tout, sera même important. Enfin, c'est en 1974 qu'est créé en France le Festival international de la bande dessinée, qui s'appelle au départ donc le Salon international de la bande dessinée à Angoulême, avec, vous voyez, l'affiche, avec donc la première affiche donc, par Hugo Pratt. Donc vous avez la signature en bas. On atteint là la fin de la première époque de légitimation de la bande dessinée, qui se parachèvera ironiquement avec la fin de la plupart des revues qui sont précitées. Donc vous en voyez certainement quelques-unes encore en librairie, comme Flux glacial, mais la plupart, vous ne les voyez plus. L'album
devient en effet, après 1995, le support principal de vente de bandes dessinées. C'est la fin de l'inféodation des créations au support hebdomadaire et puis à la logique feuilletonesque. Voilà, on peut maintenant développer des histoires et on n'est plus dans le feuilleton, on n'est plus obligé. D'une part, les ventes de périodiques baissent, mais surtout, c'est le comportement des lecteurs qui évolue. Ceux-ci achetant désormais plus volontiers des albums. L'album va peu à peu s'installer comme le format majeur de vente de bandes dessinées. Il se produit alors entre bandes dessinées et livres, ce que Sylvain Lesage appelle un transfert de sacralité. L'album étant en soi un objet plus légitime que le journal de bande dessinée. Je pense que c'est ce que vous ressentez tous encore, vous ressentez tous maintenant, aujourd'hui, hein. Ce qui est légitime, c'est maintenant l'album, un bel album, et c'est absolument pas, évidemment, les revues. Au fil du temps, la production s'est amplifiée, produisant une situation de surproduction, qui amplit les librairies d'albums et réduit les débouchés potentiels des auteurs. Je pense que vous l'avez tous constaté en allant dans des librairies spécialisées. C'est même maintenant quasiment impossible de faire des choix seuls. Il y a tellement de choix que ça en devient très très compliqué. Et on y reviendra longuement dans le cours de ce cycle de conférences. Parce que, évidemment, ça pose des problèmes gigantesques aux auteurs pour se démarquer. Reste qu'au fil du temps, la bande dessinée est restée un objet quelque peu délaissé par la recherche, du fait de ses origines dans la presse enfantine et de la condamnation de son influence, notamment des années 30 aux années 70. Ce n'est pourtant pas à cause de la nouvelle légitimité de la bande dessinée dans les années 70 que les premiers mouvements de recherche vont apparaître. Et là, je vais laisser la parole à Sylvain pour vous présenter donc l'histoire de la recherche en bande dessinée. Alors, je vais reprendre les choses, mais c'est effectivement assez mystérieux parce qu'on aurait pu penser que globalement, l'histoire de la recherche en bande dessinée démarrerait en même temps que Pilote et Arakirines, que Fluide Glacial, Métal Hurlant, etc., se développent vers les adultes. Et donc, on pouvait penser que vraiment, c'est ce type de choses qui amènerait la recherche à s'intéresser à la bande dessinée, puisque désormais, la bande dessinée s'adressait aux adultes. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. En fait, il faut imaginer que dans les années 60, il y a des genres qui sont moins bien vus que d'autres. Il faut que j'élargisse probablement un peu le propos. Mais ce qu'on entend par genre, il y a des genres, par exemple le policier, la science-fiction à l'époque, sont des genres qui sont très mal vus. Et la bande dessinée aussi encore est mal vue. Et effectivement, ces genres sont relativement solidaires entre eux. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des communications entre les différentes personnes qui essayent de suivre ces genres. Et c'est le cas notamment, alors vous ne connaissez pas ça, mais à l'époque, en 62, il y avait une revue qui a maintenant disparu, qui s'appelait Fiction. Et Fiction, c'était un petit format, cette taille-là à peu près, avec des couvertures pleines de cosmonautes et de bestioles fantastiques, présentait essentiellement des nouvelles de science-fiction. Et dans la page de courrier où les lecteurs écrivent, il y a un échange qui se produit entre quelques fanatiques d'anciennes bandes dessinées, des bandes dessinées oubliées, notamment celles qui avaient été interdites à cause justement de la mise en place de la commission de contrôle sur les publications pour les jeunes et les enfants. Et donc, finalement, des gens vont échanger, vont se dire, leur propos, c'est très nostalgique, en fait, parce que ce qui était publié à cette époque-là, et cette bande dessinée qui a été interdite en France, globalement, c'est une bande dessinée américaine qui ne coûtait pas très cher parce qu'elle avait déjà été vendue aux États-Unis, qui était diffusée par d'énormes boîtes de distribution. Et finalement, globalement, les éditeurs français de l'époque avaient tout intérêt aussi à ce que cette bande dessinée disparaisse pour arriver à mettre en place à l'heure. Et ce qui rend nostalgique ces lecteurs de la revue Fiction, ces lecteurs de science-fiction, mais donc aussi de bande dessinée, c'est le fait qu'on ne retrouve plus finalement ces bandes dessinées américaines et ils aimeraient bien les rééditer. Donc là, on parle de bandes dessinées dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, je ne sais pas, Rip Kirby,
l'agent X9, etc. Des choses totalement disparues de nos jours. Mais effectivement, c'est ce qui les intéressait. Et ces gens, bah, finalement, vont se décider à former un club, une première société savante, et ça sera le club de bande dessinée, le CBD, et qui regroupe quand même, bah, on va dire, des penseurs, des artistes d'abord. Alain Resnais, vous devez le connaître en tant que cinéaste, Remo Forlani, qui a été aussi cinéaste, mais surtout critique de cinéma, un historien, Pierre Coupry, Evelyne Sullero, une sociologue, Jean-Claude Romer, qui était historien du cinéma, Pierre Pascal, essayiste et historien. Donc vraiment des intellectuels, en fait, hein, qui vraiment font, comment dire, font front face à l'absence totale de possibilité de retrouver les bandes dessinées qu'ils ont aimées, eux, avant la guerre, finalement. Et on retrouve quand même, parmi ces gens-là, des auteurs de bandes dessinées. Jean-Claude Forest, son nom, je pense, ne doit pas vous dire grand-chose parce que désormais, il n'est plus très connu, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler de Barbarella. Et bah, Jean-Claude Forest, en fait, c'est l'auteur de Barbarella. Jacques Lob, vous ne le connaissez pas, ça me semble assez clair. Jacques Lob, c'est un scénariste. Et en fait, bah, c'est assez rare que les scénaristes apparaissent là-dessus. Ils sont tous réunis autour de Francis Lacassin. Francis Lacassin, il faut peut-être en dire un ou deux mots, parce que c'est un personnage assez étonnant qui a toujours défendu en fait, la culture populaire en France. Il a travaillé sur le polar, il a travaillé sur la bande dessinée, mais c'était surtout un grand amateur de cinéma. Et c'est quelqu'un qui a été dans tous les combats pour la défense de la culture populaire. Et si Thierry Grunstein était là, il vous parlerait de ses experts de l'époque en disant à quel point finalement bah, ils étaient multicartes et quand ils défendaient finalement la bande dessinée, ils défendaient le cinéma, la science-fiction, le polar, etc. etc. Je pense aussi à Claude Nesplet qui nous a quittés il y a quelques années. Il était un fervent défenseur et du polar et du cinéma. Bon, voilà, il y a plein de gens qui, à l'époque, effectivement, défendaient tous les genres, finalement, tous les styles des arts populaires. Et donc, ces gens-là ont envie, en fait, de réhabiliter la bande dessinée américaine de l'âge d'or, celle-là même que la censure a bannie des magazines français. Et Guy Fouive, que vous voyez ici, alors après, il sera un peu plus beau, on aura pu en mettre des plus beaux, mais ça, c'est le premier. Vous voyez quand même que c'est fait avec les moyens du bord, quoi. C'est probablement renéotypé. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être que renéotype, mais ça n'existe plus non plus maintenant. On a des imprimantes et des photocopieuses qui marchent beaucoup mieux, mais à l'époque, c'était fait entre deux rouleaux, voilà, péniblement. Il fallait pousser la rotative, mettre l'encre, etc. C'était très, très pénible. Et donc, on avait un bulletin du club donc, qui paraît à partir de juillet 62. Bon, c'est quand même le tout démarrage, finalement. Et puis, bah, quelques temps plus tard, en 64, la société, le club, va se diviser en deux branches. D'un côté, alors, je vous donne les noms, mais c'est un peu anecdotique. D'un côté, ce qu'on appellera le Cercle d'études des littératures d'expression graphique, le CELEG. Et de l'autre, on aura la Société civile d'études et de recherche des littératures dessinées, SOCERLID. Alors, ce qui est marrant, ce qu'on peut regarder quand même, c'est à travers leur nom, c'est cette recherche déjà de légitimité. Pourtant, à une époque, en 64, où le roman graphique n'existe pas encore, voilà qu'on parle bien des littératures d'expression graphique ou de recherche sur les littératures dessinées. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, on voit bien que ces deux groupes qui sortent finalement de quelque chose qui s'appelait simplement le club de bande dessinée, là, ont des objectifs qui sont beaucoup plus forts et qui visent aussi à légitimer finalement leur médium favori, la bande dessinée. Et donc, pour ça, bah, il faut faire effectivement des choses. Alors, quand même, pour le dire comme ça, le cercle d'études, lui, regroupait plutôt les membres historiques et probablement les plus scientifiques du club de la bande dessinée qui voulaient, en plus des objectifs que j'avais cités déjà plus haut, établir une esthétique de la bande dessinée. Au contraire, la seconde, donc la SOCERLID, se voue plus un effort de critique et de collection, mais du coup, elle va être presque plus active, en fait, dans l'espace public, et notamment, elle va organiser deux énormes expositions, la première en 65, on l'a mis, bande dessinée et figuration narrative, qui retrace essentiellement l'évolution de la bande dessinée américaine de 1896 à 1965, donc vous retrouvez cet aspect un peu nostalgique de ces gens-là.
Et puis, une autre exposition en 66 qui est consacrée à Bern Hogarth. Alors, Bern Hogarth, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je suis sûr que le personnage qu'il a popularisé vous dit quelque chose, c'est Tarzan. Bern Hogarth, en fait, c'est un des dessinateurs historiques de Tarzan. Donc là, vous avez les affiches, effectivement, de ces deux expositions. Alors, celle de la bande dessinée figuration narrative, qui étrangement fait figurer le capitaine Haddock en train de lire un strip américain. Et puis, de l'autre côté, un dessin de Hogarth qui est plus classique, probablement qu'ils n'ont pas voulu. C'est une photo du catalogue, en fait. Hein. Donc, ils n'ont pas voulu probablement mettre une image de Tarzan parce que. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Tarzan, il a toute une histoire avec la censure en France. Tarzan a été très critiqué. Alors, ça va vous faire rire, forcément, parce que maintenant, on va dire, c'est pas possible d'imaginer ça, mais on pensait que la simple vue du corps beau, musclé et presque nu de Tarzan pouvait créer comme ça des émois chez les adolescents qui regardaient ses dessins, et on contestait le fait que les jeunes héroïnes étaient un peu trop dévêtues, et tout ça finalement devait, comment dire, contribuer à la démoralisation de notre belle et vertueuse jeunesse. Donc Tarzan a été un des éléments majeurs de la censure, et pouvoir, pour la Socierline, mettre en avant Bern Hogarth à cette époque-là, c'est évidemment quelque chose de très très important. On n'en parlera pas d'ailleurs, et c'est bête, on aurait peut-être dû le rajouter, mais on commence à arriver dans les années aussi où la bande dessinée va arriver à la télévision, et notamment si ça vous intéresse, cherchez sur YouTube Tac au Tac, Tac au Tac, T-A-C, A-U, T-A-C, plus loin, et tapez Bern Hogarth, et vous verrez qu'en fait, à un moment donné, Bern Hogarth a fait une émission française à la télévision. Donc en fait, Tac au Tac, cette émission qui était, je crois, menée par Jean Frappa, me semble-t-il, et qui était consacrée aux dessinateurs de bandes dessinées, c'est plutôt le début des années 70, me semble-t-il, ben, en fait, va se déplacer aux États-Unis pour pouvoir filmer Bern Hogarth en train de dessiner. Donc c'est vraiment un renouveau aussi, une réhabilitation de ces auteurs américains qui ont été, comment dire, longtemps rejetés par les publications françaises. Alors, force succès, la Socierline va essayer d'ouvrir un premier musée français de la bande dessinée, mais j'ose à peine le mentionner parce qu'il ouvre le 7 juin 66, mais en fait, il va fermer très très vite parce que c'est très compliqué. Par contre, ce qui va durer, c'est la revue Phoenix qui est lancée en octobre. Et cette revue Phoenix, dont vous voyez ici quelques exemplaires, alors, c'est moi qui ai trouvé cette photo parce qu'en fait, c'est une collection, il n'y a que 9 numéros, mais c'est pour vous dire l'importance que ça a maintenant. C'est 9 numéros, ils sont en vente, aux enchères, à la salle Drouot, donc qui est une salle parisienne extrêmement réputée d'enchères. Et alors évidemment, c'est aux enchères, donc je ne vais pas vous donner les prix, puisque évidemment, il faudrait y assister. Mais c'est une revue qui a une grande force dans le montage de l'appareil critique de la bande dessinée. Et Phoenix, c'est quand même une revue un peu importante. Et dans le premier numéro et le premier article de la revue, il y a un type qui s'appelle Maurice Horn. Alors au tout début, Phoenix, en fait, était consacré à la bande dessinée, à la science-fiction, à l'espionnage. Et vous y retrouvez ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les premiers érudits des littératures populaires, ils étaient multigenres. Et donc on associait la bande dessinée, la science-fiction et l'espionnage. Et vous pouvez imaginer aussi peut-être que c'était renvoyer là-bas la fiction qui... revue de science-fiction, avait vu le démarrage, finalement, de toute cette histoire, de ces différents mouvements critiques menés par des intellectuels, mais aussi des grands amateurs. Et donc, Maurice Horn, vous disais-je, dans le premier numéro de la revue, écrit quelques petites phrases que je ne résiste pas au plaisir de vous citer. Voici ce que dit Maurice Horn. « Avec un retard de 50 ans, ces dernières années ont enfin vu naître des bandes dessinées européennes spécifiquement destinées aux adultes, avec Handicap de Smythe, Modesty Blaise de Peter O'Donnell en Angleterre, Barbarella de Jean-Claude Forest et Scarlet Dream de Claude Moliterni et Robert Gigy en France. » Donc en fait, son propos, il est clair. Hein, le seul moyen de légitimer la bande dessinée, c'est par la bande dessinée adulte. Il affirme un peu plus loin: la bande dessinée suscite aujourd'hui un engouement et un intérêt extraordinaire dans tous les domaines, commercial, artistique, intellectuel.
Donc là, on est en 66. C'est page 8 du premier numéro de la revue Phoenix. Et en fait, c'est assez amusant parce que globalement, même si Handicap va connaître la postérité plus tard, on va le dire comme ça, le Modestie Blaise de Peter O'Donnell en Angleterre, bah oui, en fait, ce qui veut dire destiné aux adultes, globalement, c'est aussi qu'on peut y montrer des femmes un peu dénudées. Et c'était le cas, effectivement, pour Barbarella, parce que Jean-Claude Forest adorait dessiner son héroïne à demi nu. Et c'était aussi le cas pour Scarlet Dream de Claude Moliterni et de Robert Gigi. Et en fait, on va le dire comme ça, Scarlet Dream n'est pas resté dans les annales de la bande dessinée. Hein. Mais on a une espèce de confusion entre cette bande dessinée qui s'adresse aux adultes et qui finalement s'adresserait aux adultes, donc s'autoriserait à montrer finalement des images que la pudeur interdirait habituellement, et une bande dessinée adulte qui serait adulte parce qu'elle a un propos mature. Parce que finalement, là, on est en train de parler de bande dessinée de science-fiction ou d'espionnage. Hein. Scarlet Dream côté espionnage, Modestie Blaise côté espionnage, Barbarella côté science-fiction. Et donc, effectivement, l'engouement et l'intérêt extraordinaire, bah, c'est aussi un argument de vente. Et Phoenix, en faisant cette espèce d'agiographie, bah, finalement, est en train d'essayer de vendre son propre médium. Mais c'est comme ça, malgré tout, que se mettent en place les premiers vrais intermédiaires culturels de la bande dessinée qui créent à la fois un appareil critique et les débuts d'une analyse scientifique. Donc, c'est quand même relativement important. On n'avait pas une autre image de Phoenix, Laurent ? Non. Ah, si, regarde. Voilà, le premier numéro, il me semblait bien. Hein. Mais voilà, donc, mais ceci dit, on peut passer à la diapo suivante, simplement pour vous montrer un peu comment la recherche va se construire peu à peu. C'est d'abord Edgar Morin qui publie dans une revue, La Nef, qui n'est pas hyper connue, Tintin, le héros d'une génération. Edgar Morin est un grand sociologue. Alors, à cette époque-là, il était beaucoup moins connu que maintenant, mais il s'est beaucoup intéressé finalement aux cultures populaires. Il a beaucoup écrit là-dessus. Il s'est surtout beaucoup intéressé au cinéma populaire et au cinéma américain, entre autres, mais pas seulement. Et il s'intéresse aussi assez logiquement à ça. Evelyne Sullero, sociologue aussi, bah, va travailler sur bande dessinée et culture. Elle, c'est presque un pied de nez parce qu'elle le publie chez Opéra Mundi. Or, Opéra Mundi est un des grands opérateurs de vente de bande dessinée américaine à l'époque. Donc voilà, c'est presque un pied de nez en fait aux éditeurs français qu'elle fait de la sorte. Ça, c'est quand même assez amusant. Et puis ensuite, on va commencer à trouver bah, voilà, une première thèse en 70, c'est Pierre Fresneau-Desruelles, une thèse de troisième cycle, la bande dessinée, essai d'analyse sémiologique. Et la bande dessinée va souvent se situer, en tout cas dans les premiers travaux, sous le pan de l'analyse sémiologique. Hein. C'est très, très net. Donc voilà, ça, c'est les premiers travaux qui arrivent vraiment. Et puis, bah, ensuite, en 71, Francis Lacassin va écrire pour un neuvième art, la bande dessinée, chez Christian Bourgeois. C'est un peu surprenant quand on le relit maintenant, parce que c'est un propos peut-être un peu daté, malgré tout, très enthousiaste. Mais chaque fois Francis Lacassin écrit, il est toujours très enthousiaste. Mais c'est peut-être un peu moins intéressant que ce qu'il a fait sur le polar. Et la même année, en fait, eh bien, il va entamer un cours de bande dessinée à la Sorbonne. C'est la première fois qu'il y a un cours de bande dessinée et finalement qu'un non-universitaire vienne le donner. En soi, c'est une reconnaissance aussi de tout ce travail qui a été fait par ces gens qui sortent finalement du club de la bande dessinée et qui viennent là s'intéresser soudain à l'enseignement pour la bande dessinée. Donc, c'est effectivement quelque chose. Et puis, arrive en 75, alors ce qui, pour nous, en sociologie, est presque fondateur, parce qu'il y avait eu, évidemment, les travaux de Morin et de Sullero, mais qui étaient quand même un peu anecdotiques, eh bien, il y a le premier véritable article sociologique sur la question, dans le premier numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales, c'est la revue de Pierre Bourdieu, c'est le premier numéro des Actes, et le sociologue Luc Boltanski publie donc la constitution du champ de la bande dessinée et va travailler sur la légitimité de la bande dessinée en postulant qu'elle est tout à fait légitime, enfin qu'elle est en train de se légitimer. C'est un article qui va engager la poursuite des recherches, en tout cas en sociologie, sur la légitimation, sur le processus de légitimation des différentes cultures populaires et notamment de la bande dessinée. Et à un point qu'à l'heure actuelle, quand on est sociologue, ne pas travailler sur la légitimation, c'est très difficile. Il faut vraiment faire des gros efforts pour ne pas aller là-dessus. Et c'est quand même un article fondateur parce qu'effectivement, il va essayer de montrer la bande dessinée comme quelque chose
qui passe d'une génération, vraiment, la génération de l'immaturité, de la bande dessinée pour les enfants, à la bande dessinée adulte. Et puis enfin, un tout petit peu plus tard, en 78, eh bien, on aura l'historien Pierre Coupry qui va donner à son tour un cours sur la bande dessinée à l'école des hautes études en sciences sociales qui intervient. Donc là, on a, on va dire, les tout débuts de la recherche sur la bande dessinée, et vous voyez que quand même, ça fait des choses. Alors, peu à peu quand même, et depuis les années 80 notamment, les travaux de recherche et les publications vont s'accumuler. On va voir notamment, on en reparlera tout à l'heure dans la diapo suivante, les études littéraires s'intéresser beaucoup plus à la bande dessinée. Et puis, la France, bien sûr, voit croître son intérêt pour le 9e art, mais il faut dire quand même qu'on a pas mal de chercheurs belges, bien sûr, qui sont emparés bien davantage du médium, et notamment les travaux les plus importants pour l'époque, c'est ceux de Diane Battens, de Jean-Louis Tilleul, de Philippe Marion et de bien d'autres, qui vont faire avancer la connaissance de l'art séquentiel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression d'art séquentiel, que j'utilise peut-être avec un peu de facilité. L'art séquentiel, en fait, c'est l'expression qu'utilise Will Eisner, célèbre dessinateur américain, peut-être le premier aux États-Unis à avoir inventé le roman graphique, même si on en reparlera peut-être, le roman graphique s'invente d'abord en France, il faut le dire comme ça. Mais Will Eisner, donc, alors, je ne sais pas ce que je pourrais vous citer, que vous pourriez connaître, le Spirit, peut-être, qui est cette espèce de super-héros qui a des sans aucun pouvoir, mais à qui il arrive toujours des aventures abracadabrantes. Le Spirit, je pense que c'est ce qu'il a sorti de plus connu. Et en fait, comme il s'est beaucoup intéressé à la bande dessinée, pas seulement en tant qu'auteur, mais aussi d'une autre manière, il avait trouvé cette belle expression, l'art séquentiel, pour définir la bande dessinée. L'idée, c'était de dire que pour une bande dessinée, il faut qu'il y ait deux séquences, vous voyez, il faut qu'il y ait deux cases qui se suivent. Et donc, il y a une séquence temporelle, d'une case à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est Will Eisner, et c'est un type assez étonnant, voilà, qui a pas mal changé aussi l'approche graphique des choses. Mais donc, simplement pour le dire comme ça, c'est vrai que les chercheurs belges ont été peut-être un peu plus tôt sur ces objets, mais alors on peut comprendre pourquoi, puisqu'il y avait cet engouement, on parle souvent de la bande dessinée franco-belge, et c'est vrai que la bande dessinée belge avait des éditeurs historiques, que ce soit Dupuis, Casterman, etc., qui étaient très très bien placés, et qui vendaient beaucoup, y compris en France. Hein. Et puis, on a des travaux quand même, malgré tout, qui dépassent la sphère francophone, c'est-à-dire on ne travaille pas que sur la bande dessinée franco-belge, ça nous semblait important de le mentionner. Par exemple, en 1994, on a la thèse de notre collègue Jean-Paul Gabillet, qui sort, ce qui donnera lieu à un ouvrage en 2005 sur les comics, toujours. Et puis Jean-Marie Bouissou, un historien spécialiste du Japon, qui publie en 2010 « Manga, histoire et univers de la bande dessinée japonaise », qui est un ouvrage de référence. Si vous voulez travailler sur le manga et que vous n'avez pas lu Bouissou, vous avez oublié l'essentiel de votre bibliographie. Au total, vous voyez, alors ce qui est fait, là, on a fait un petit travail exprès pour vous. On a été relevé, en fait, le fichier des thèses de Nanterre, et puis on a suivi les thématiques, et on a relevé l'ensemble des thèses. On leur en a rajouté une parce qu'ils avaient oublié Fresneau des Ruelles, parce que ça fait longtemps, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de thèse entre 70 et 79. Et on a réparti les autres en pourcentage et en effectif. Et vous voyez bien, finalement, la croissance énorme de ces thèses, c'est-à-dire que finalement, ça croît. On est à l'heure actuelle, entre 2010 et 2019, eh bien, on est à 54% de thèses. On est parti entre 70 et 79 à 1%, et avec une thèse, évidemment, c'est un peu tristounet. Ça veut dire que sur l'ensemble des thèses soutenues, hein, puisque c'est un total sur le, on va dire c'est un pourcentage sur le total, eh bien, entre 2010 et 2019, c'est plus de la moitié de l'ensemble des thèses qui ont été soutenues sur la bande dessinée qui ont été faites sur cette décennie. C'est quand même extrêmement considérable. Et ça montre bien à quel point le champ de la recherche sur la bande dessinée s'est ouvert à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça, c'est... Et là, tu peux montrer voilà, la courbe. Vous voyez, c'est très, très net, hein, quand même. On voit clairement la hausse, finalement, cet intérêt croissant des chercheurs qui s'incarne ici dans une belle... Alors, il y a une petite phase plateau que je ne saurais pas expliquer. Effectivement, entre 90 et 2009... où effectivement il y a des travaux, mais pas plus que ça, mais on voit clairement que depuis 2010, c'est en croissance constante. Alors on a plus bizarre après à vous proposer, voilà, on a fait un petit tableau, et donc on a relevé l'ensemble des disciplines. Et ce que vous voyez, et ça vous intéresse j'imagine, c'est
les disciplines qui ont le plus examiné la bande dessinée. Eh bien, les grands gagnants, les plus ouverts, ce sont les lettres et les sciences du langage. Et je suis sûr que les sémioticiens vibrent de fierté rien qu'à voir un tel chiffre. Parce que globalement, on ne va pas s'y tromper. Hein. Il y a quelques études en littérature, mais je vous l'ai dit, c'est essentiellement de la sémiologie. Hein. Plus que de la sémiotique, d'ailleurs, même s'il y a eu beaucoup d'études de sémiotique ensuite, dans la, on va dire justement dans la dernière décennie. Ça, c'est vraiment important. Langue vivante et civilisation. Ben, c'est vrai, on a, en langue vivante et en civilisation, ben, on a eu beaucoup de choses, et notamment quand on dit civilisation, ça inclut malgré tout, parfois, des gens qui ont des tentations pour l'histoire aussi, mais en tout cas pour l'étude culturelle. Donc ça, c'est très, très net. Et on trouve beaucoup de travaux, notamment par rapport bah, évidemment aux comics, mais aussi on en trouve pas mal sur les comics hispanisants, parce que, bah, que ce soit alors en Amérique du Sud, il y a une école, alors, hein, la fameuse école d'Argentine, que vous connaissez peut-être, parce que celui qui l'a fondée, c'est Hugo Pratt. Et Hugo Pratt, c'est le papa de Corto Maltese. Donc il y a beaucoup de travaux quand même qui ont... Alors je ne sais pas s'il y en a eu dans ce paquet-là, mais on peut penser... Ça intéresse les gens. Et puis, on a beaucoup d'auteurs, effectivement, espagnols et italiens aussi, je ne l'ai pas dit. Donc, on peut penser que ça intéressait, effectivement, ces gens qui viennent des langues vivantes. On a pas mal de travaux en histoire. On en a de plus en plus, puisque sur les 5 dernières années, il y a au moins 3 thèses en histoire. Puis, il va y en avoir une 4e, j'espère, l'année prochaine. Donc, voilà, c'est pour vous dire que ça monte quand même pas mal. Et du coup, c'est un peu bizarre. Quand on arrive en art, histoire de l'art, on pourrait penser que c'est quand même les premiers concernés. Et 8,5% de l'ensemble des thèses soutenues, ça fait court. Hein. Par contre, mystérieusement, informatique. Hein. Alors peut-être qu'on pourra vous proposer un début d'explication tout à l'heure en vous parlant des travaux d'autres collègues de La Rochelle. Mais à mon avis, quand même, c'est un peu plus compliqué que ça. En infocom, c'est assez normal parce que, évidemment, tu m'entends là, Laurent ? C'est bon, on t'avait perdu. Ouais, un bref instant, il s'est désactivé. Alors, je reprends simplement sur Infocom. Donc, vous savez, sciences de l'information et de la communication, pour dire qu'effectivement, ça, même, ils sont quand même assez faiblement placés, mais malgré tout, c'est quelque chose d'important pour eux. Il faut savoir que pendant longtemps, les travaux en Infocom sur la bande dessinée ont été animés par Benoît Berthoux, qui maintenant est passé dans d'autres horizons, qui était à Paris 13. Et qui a fait en sorte qu'effectivement, bah, ce soit une sphère, enfin, une thématique, pardon, un sujet qui occupe beaucoup le travail en Infocom. Et puis en sociologie, vous voyez que c'est un peu minable. On est à peu près à l'égal d'Infocom, mais on devrait être un peu plus dessus. Et je passe sur le reste, parce qu'effectivement, là, on est sur des choses très, très faibles. Et vous voyez, vous avez les divers, astronomie, gestion, je ne sais pas ce que ça peut bien être. On n'a pas compté les thèses d'exercice en médecine, puisque évidemment les thèses d'exercice sont beaucoup plus courtes que les thèses officielles, et, parce qu'il y en a plein. Et notamment, on a des travaux même qui ont été faits en bande dessinée. Et c'est le cas de Serge Tisseron. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Serge Tisseron, qui est psychologue. Il a fait cette thèse d'exercice en bande dessinée. C'est assez amusant, mais voilà. Et c'est un travail qu'on voit de plus en plus. Et là, moi, j'ai un collègue sociologue, dont j'espère qu'il soutiendra sa thèse bientôt, qui est en train de réaliser sa thèse en bande dessinée. Donc, ça, c'est quand même assez amusant. Alors, si vous regardez, bien sûr, les proportions que ça donne sur la diapo suivante, bah, ça semble assez clair, voilà. Hein. Je ne vais pas reprendre, mais vous voyez les proportions énormes que ça donne. C'est un peu... voilà, c'est quand même assez, assez fort. Et on voit très, très bien que langue vivante et lettres et sciences du langage, bah, globalement, voilà, ça fait presque 50%, ça fait 50% pile. Des thèses soutenues. Alors cette croissance des thèses, elle s'articule aussi à une structuration de la recherche francophone autour de revues qui sont davantage reconnues par les différentes instances universitaires, alors l'HCRS, l'ERI bien sûr, les bases de données internationales, le DOAT, Index Copernicus, Journal Base, et puis des choses qui sont... Alors donc pardon, non, je ne me suis pas bien expliqué, excusez-moi. Ma phrase est confuse, j'en suis désolé, mais je préfère la reprendre. Je disais donc que ça s'articule à une structuration de la recherche francophone autour de revues reconnues, donc reconnues, je recommence dans le bon sens, par les diverses instances universitaires et les bases de données internationales, donc, que je viens de citer. Et ces revues, effectivement, ce sont des revues comme celles qu'on vous a mises là, Comicalité, bien sûr. Alors, Comicalité, si vous voulez lire des choses intéressantes sur la bande dessinée,
bien sûr, je prêche un peu pour ma chapelle puisque je fais partie du comité de rédaction, mais c'est quand même une revue française, me semble-t-il, de qualité. Les Image and Narrative que vous avez en dessous, qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Bien sûr, Image Text, qui fait toujours des choses très intéressantes. Donc voilà, on a vraiment European Comic Art aussi, qui est vraiment... voilà, vous avez des grandes revues où on peut publier, parce qu'évidemment, les scientifiques ont besoin de publier. S'il n'y a pas de revue, ils ne peuvent pas s'appuyer sur ces publications. Et c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où, si vous, peu importe finalement que vous soyez littéraire, sémiologue, historien, civilisationniste, en fait, n'importe quel chercheur peut publier dans ses revues s'il travaille sur la bande dessinée. Et puis aussi, bah oui, on a de nombreux groupes de recherche qui se sont créés. Et là, tu peux effectivement revenir sur la diapo suivante. Alors d'abord, il faut, je vais le citer rapidement, le groupe de recherche et d'études sur le 9e art, le GRENA, dont je vous ai mis alors, une publication. Ici, je suis désolé, c'est tout petit, bien sûr. Le groupe ACME. Alors le groupe ACME, il est à l'Université de Liège. Ils sont très, très actifs. Ils ont une collection dans les presses universitaires de Liège, qui est dédié uniquement à la bande dessinée. Et là, on avait mis un exemplaire du livre publié sur l'association que vous connaissez peut-être, qui est un éditeur indépendant français, qui a quand même pas mal contribué au changement de la bande dessinée ces 20-30 dernières années. Ici, vous avez le groupe d'études sur la bande dessinée, le GREBD, qui est à l'université de Lausanne, et qui notamment avait fait un gros colloque autour de l'image, il y a 3 ans ou 4 ans, je n'arrive plus bien à me souvenir. Et puis, vous avez le Forel, qui est à Poitiers. Alors, c'est normal qu'il y ait ce genre de choses à Poitiers, en sachant que l'Université de Poitiers est très liée à l'École européenne de l'image, qui est à Angoulême, l'ESI. Et le Forel, d'ailleurs, qui, je crois, s'appelle le Forelis maintenant. Il faudra demander peut-être à Frédéric de nous confirmer. Mais il me semble que ce n'est plus tout à fait la même chose. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a maintenant des groupes de recherche qui travaillent directement sur la bande dessinée. Ça aurait été impossible, il y a 20 ans encore, d'avoir quelque chose qui soit directement de ce type-là. Donc là, on a des gens aussi qui ont un véritable intérêt pour ce type de choses et qui essayent vraiment de faire avancer les choses. Et puis, évidemment... on ne peut pas ignorer aussi, alors oui, ce que je n'ai pas dit, et je vois la diapositive qui me rappelle à l'ordre, vous l'avez compris, on a maintenant un réseau régional de recherche sur la bande dessinée qui a vocation à unir les chercheurs de plusieurs universités et de plusieurs disciplines de la région Nouvelle-Aquitaine. On va dire qu'ils travaillent avec entrain, puisque globalement, on a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, et on est déjà actif ce soir avec vous, donc on en est assez content et assez fier. Et puis au-delà de ça, assez globalement, on ne peut pas ignorer non plus, puisque là j'ai fait la part belle aux recherches universitaires, mais moi je voudrais qu'on parle quand même un peu de tous ceux qui ont contribué à cette recherche. J'en ai parlé un petit peu en parlant de ces grands amateurs qui effectivement ont contribué à la recherche d'une certaine manière à travers Phoenix ou GIF-WIF, ou en tout cas tout cet appareil critique qui s'est constitué à partir de gens qui étaient avant tout des amateurs de bande dessinée. Mais ces amateurs éclairés, certains d'entre eux d'ailleurs ont été chercher leur thèse, les ont obtenus sans pour autant se lancer dans une carrière universitaire, ont fait accomplir de larges progrès à la science en la matière. Je pense par exemple à Alain Fourmand, je pense à Gilles Ratier. Gilles Ratier, que vous ne connaissez peut-être pas, qui pourtant est aussi un local de l'étape, qui travaille en fait à la médiathèque et qui est un des grands spécialistes de l'édition en bande dessinée, qui en a demandé de participer à ce cycle de conférences. Vous aurez vu son nom. Sûrement. Je pense aussi à Harry Morgan. Et chaque fois que je cite Harry Morgan, je ne peux pas m'empêcher de citer son frère ennemi, c'est Thierry Grunstein. Et donc, Thierry, qu'on aura peut-être la chance d'avoir, Thierry Grunstein, qui lui a soutenu sa thèse alors on va dire, il l'annonce comme de la sémiologie, mais c'est vraiment de la sémiotique. Et on va dire que lui, qui n'était pas sémioticien à la base, a fait un ouvrage qui fonde à l'heure actuelle tous les travaux en sémiotique autour de la bande dessinée. Hein. Et donc voilà. Et il est aussi, bien sûr, éditeur, mais il était venu, je crois, oui, c'était l'année passée qu'il était venu, effectivement, en masterclass ici. Et son système de la bande dessinée
si vous vous intéressez à ça, pour les sémioticiens, vous ne pouvez pas vous en passer, bien sûr. Et puis enfin, ce sont les auteurs eux-mêmes, parfois, qui sont à l'initiative de recherche, et notamment ces dernières années, parce que les auteurs, ils sont, je ne sais pas si vous avez compris, mais ils vivent dans des conditions difficiles, ils ne sont pas toujours très bien payés, ils ont un peu de mal à, comment dire, à arriver à trouver des conditions correctes de vie, et ils se sont donc fédérés, et parfois, ça débouche sur des recherches que Laurent ne va pas tarder à nous montrer dès qu'il sera passé à la diapositive suivante. Voilà. Donc, c'est les états généraux de la bande dessinée. Voilà. En fait, l'idée, vous voyez, bon, c'est peut-être pas la peine de tout lire, mais c'est simplement de résumer ce fait que la bande dessinée est effectivement dans une période d'incertitude, qu'il y a davantage d'albums. Ça, Laurent en avait parlé tout à l'heure. Donc, une diminution forcément de vente de chaque titre, de plus en plus d'auteurs, mais globalement, aussi une hausse effectivement énorme des prélèvements obligatoires, la retraite, la formation professionnelle, la TVA, et des gens qui vivent de moins en moins bien. Et ce qui est particulièrement intéressant avec les états généraux, c'est qu'au moment où ils se fondent, eh bien, ils vont s'associer à un certain nombre d'universitaires pour faire un état des lieux. Ça va passer par une grande enquête quantitative. Ils vont passer des questionnaires dans toute la France et même un peu en Belgique, puisqu'il y a quelques auteurs belges dans l'échantillon, qui va nous permettre de disposer de données qui encore à l'heure actuelle sont très très importantes pour nous, chercheurs, pour mieux connaître en fait le public des auteurs. Donc voilà, simplement pour le dire comme ça, à l'heure actuelle, il est nettement plus facile d'engager des recherches sur la bande dessinée. On a des associations de jeunes chercheurs, par exemple, comme La Brèche, qui se sont constituées. On a des formations qui se sont ouvertes, le doctorat de création, expression artistique et littéraire, spécialisation bande dessinée, qui est issu d'un partenariat entre l'Université de Poitiers et l'École européenne supérieure de l'image, l'ESI, dont je vous parlais tout à l'heure, le master édition théorie et critique de la bande dessinée, qui a ouvert récemment ses portes à Bordeaux-Montagne, et on se doit de mentionner, au moins c'est parce que je suis de Limoges, forcément, je m'excuse pour les étudiants de La Rochelle, hein, mais parce qu'ici, par exemple, à Limoges, pour ceux d'entre vous qui auraient fait espagnol, eh bien, en études hispaniques, il y a un cours de Thomas Fay sur le roman graphique. Donc voilà, on a toujours davantage de choses. Et puis on a des journées d'études, vous en avez quelques-unes qui apparaissent là, qui portent directement sur ce thème. On a choisi de vous parler celle montée à l'initiative de Benoît Berthoud, dont je vous avais parlé tout à l'heure, et de Jacques Durenmat, qui lui est en études littéraires à la Sorbonne, la bande dessinée qu'elle recherche. Et donc l'idée, c'était effectivement d'aborder à travers cette journée les objets d'études au sein du champ de la bande dessinée, en sachant qu'ils sont extrêmement larges, les approches disciplinaires ou méthodologiques, les ressources dont on pouvait disposer. De la même manière, la Cité de la bande dessinée organise, alors je ne sais pas si vous connaissez la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, mais là, vous la voyez en grand, et qui est à Angoulême, qui n'est pas loin, vous y êtes peut-être déjà passé à l'occasion du Festival international de la bande dessinée, mais en tout cas, la Cité organise assez fréquemment des colloques scientifiques qui accueillent effectivement des scientifiques qui viennent de toutes disciplines et même des rendez-vous annuels en collaboration avec l'Université de Poitiers. Alors, vous en voyez quelques-uns. En 2014, avec Frédéric Chauveau, dont j'espère qu'il a réussi à nous rejoindre, mais j'avais vu son nom repasser, Michel Poret, Bulle Sanglante, Frédéric Chauveau et Michel Mélier. C'est pas Denis Mélier ? Bon, il me semble que c'est Denis, hein, c'est pas grave. Oui, parce qu'en dessous, tu vois, c'est Denis Mélier. Les êtres contrefaits, bon, c'est pas grave. Voilà, retenez, c'est Denis. En 2016, Marion Haza, Denis Mélier, Les figures du corps augmentées dans la BD. Frédéric Chauveau, toujours avec Denis Mélier, sur les corps handicapés, corps mutilés dans la bande dessinée. En 2018, Geste et BD, toujours Frédéric Chauveau et Denis Mélier. En 2019, encore Frédéric Chauveau et Denis Mélier, le corps dans tous ses états, dans la bande dessinée, le corps en fait. Et puis en 2020, eh bien voilà, on aura Squelette, ectoplasme et fantôme, en novembre, qui va ouvrir. Alors, vous aurez compris que Frédéric Chauveau et Denis Mélier sont de puissants leviers de la défense de la bande dessinée par rapport à la Cité internationale de la bande dessinée, forcément. Et puis voilà, on devait organiser en mars 2020, enfin Frédéric Chauveau devait organiser
la bande dessinée et les violences faites aux femmes, mais dans le contexte actuel, malheureusement, ça n'a pas pu se tenir. Bon, on devrait voir un ouvrage net, mais c'est simplement pour vous montrer aussi la richesse, non seulement la richesse en termes de recherche, mais aussi, je vais le dire, de manière locale. Et ce que je ne devrais pas dire, mais par exemple aussi, on est en train de passer avec l'Université de Limoges, on est en train d'essayer de passer une convention avec le pôle Magélis, qui est le pôle image, en fait, qui à Angoulême regroupe l'ensemble des écoles et des studios de bande dessinée, de dessins animés, etc., etc. Donc voilà, on essaye aussi de développer ces possibilités de manière à multiplier les capacités de recherche, mais aussi par exemple de stage. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont en train de se monter peu à peu et qui ne devraient pas être, très reculées maintenant dans leur achèvement. Le rôle des partenaires institutionnels est extrêmement important. On va parler donc du projet Média BD. Voilà. Le projet Média BD est initié par Jean-Paul Gabillet en collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée de l'image. Le projet Média BD, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a été présenté pour la première fois dans le colloque dont je vous ai parlé tout à l'heure, La bande dessinée qu'elle recherche, initié par Benoît Berthoux et Jacques Durenmat. C'était la première fois que Jean-Paul Gabillet nous présentait ce projet, qui à l'heure actuelle en est à sa deuxième phase, donc qui consiste à recenser en fait toute la presse critique sur la bande dessinée. Et donc ça devrait nous donner une base de données sur la critique de presse sur la bande dessinée assez énorme. Et il est fait bien sûr en étroite collaboration, je crois qu'il manquait... Reviens en arrière. Laurent. Voilà. Il est fait en étroite collaboration, je pense que c'est parce qu'il y a un doublon en fait quelque part sur le PowerPoint, il est fait en étroite collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image qui suit de très près les choses et c'est aussi prodigieux pour travailler sur la critique de bande dessinée. Moi j'ai vu les démarrages, les premières projections sur le site et c'est vraiment très très bien. Et je dois confesser aussi que le pôle Magélis dont j'ai parlé tout à l'heure à Angoulême, le Grand Angoulême et la CIBDI aussi soutiennent, par exemple, une recherche menée sur les auteurs de bandes dessinées. Mais c'est un peu lâche de ma part parce que c'est moi qui l'amène, donc voilà, c'était juste pour en parler comme ça. Donc ce qui nous amène vraiment à parler finalement de tout ça, vous l'aurez compris, des nouvelles problématiques de la bande dessinée, de ce qu'il peut être intéressant de travailler à ce niveau-là. Alors, bah d'abord, il faut qu'on le dise, il y a vraiment des choses qui sont de plus en plus travaillées, mais on va essayer d'en citer quelques-unes, mais je suis à peu près certain qu'on va en oublier. Parce que forcément, il y a plein de choses, c'est devenu de plus en plus un sujet ouvert qui permet à la fois de travailler la question de la bande dessinée, mais parfois aussi de travailler d'autres choses que la bande dessinée à travers la bande dessinée. Et donc du coup, bah là, la bande dessinée est un outil peut-être comme un autre, et j'imagine que Vivien Bessière vous en parlera peut-être un peu puisqu'il sera notre prochain intervenant, parce que Vivien qui va vous parler de la formation en fait, des dessinateurs à partir de l'exemple des manuels de bande dessinée, bah, lui il a travaillé notamment dans le cadre de sa thèse avec un corpus réduit de bande dessinée, mais pas seulement, pour finalement travailler sur la manière dont on travaillait les grands personnages de l'Antiquité. Enfin, peut-être que je traduis mal sa thèse, mais il en reparlera lui-même, ça sera mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un excellent moyen qui peut contribuer, avec d'autres éléments fondant un corpus, à travailler des aspects plus larges. Alors, quelques problématiques nouvelles. Eh bien, les modalités de l'édition. Le passage de la revue à l'album, les collections, les genres littéraires, les romans graphiques, effectivement, ce sont des sujets qui sont très intéressants et sur lesquels on travaille beaucoup. Moi, je travaillais un peu sur le roman graphique, Diane Battins aussi, mais par exemple, sur le passage de la revue à l'album, il y a les travaux de Sylvain Lesage qui sont absolument passionnants. Mais à l'heure actuelle, il y a quelque chose sur lequel on travaille très très peu. C'est l'émergence ou le retour de nouveaux médias de bande dessinée. La bande dessinée a longtemps été utilisée. Pendant longtemps, les dessinateurs de bande dessinée étaient aussi des dessinateurs de presse. Parce que simplement, pour maximiser leurs revenus, bah, ils publiaient aussi du dessin de presse. Et on a quelques exemples très connus de grands dessinateurs qui ont fait au moins moitié de leur carrière dans le dessin de presse autant que dans la bande dessinée. Or, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'heure actuelle, depuis une petite dizaine d'années, eh bien, on trouve de plus en plus de revues qui se servent de la bande dessinée. Certaines qui s'en servent uniquement, la revue dessinée ne se sert que de la bande dessinée.
c'est tous les articles sont rédigés par un journaliste associé à un dessinateur. Topo, qui en est la déclinaison pour la jeunesse, évidemment fonctionne énormément avec de la bande dessinée, mais il y a plein d'autres magazines du type, effectivement, de 21, on pourra en rajouter d'autres, hein, qui ne me viennent pas en tête, mais il y a beaucoup plus de magazines maintenant qui travaillent avec la bande dessinée, et de ce fait, la bande dessinée, bien sûr, trouve une autre utilité, qui est une utilité plus documentaire. Et d'une certaine manière, ces revues journalistiques, ça fait appel aussi peut-être au travail que Nicolas Coignas fera lors de la dernière séance de ce cycle. Mais par exemple, puisque j'ai cru comprendre qu'il allait travailler sur un album de bande dessinée qui fait suite à un travail originellement publié dans la revue dessinée. Et donc, c'est aussi un nouveau déploiement d'une bande dessinée totalement documentaire, cette fois-ci, qui prend une nouvelle forme en sortant finalement du récit de fiction. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, parce que finalement, le support de la bande dessinée, enfin, la légitimité de la bande dessinée s'est construite dans sa capacité à créer une fiction suffisamment mature, à la fois en termes scénaristiques, mais aussi graphiques, pour intéresser les adultes. Mais là, elle revient à un rôle plus utilitaire, plus instrumental, qui est d'aider finalement à mieux comprendre des phénomènes de manière documentaire. Et vous voyez, c'est pas le même rôle. Donc, est-ce que ça va agir ou pas sur sa légitimation ? Eh bien là, c'est quelque chose de totalement différent, bien sûr. Et puis, on pourrait parler du développement aussi des publications Internet. Et là, il y a vraiment du travail à faire parce qu'il y a plein de choses qui sont publiées. Alors, il y a la publication des débutants sur les réseaux sociaux, par exemple. Et si vous suivez Instagram, ben, vous savez qu'il y a plein de dessinateurs qui publient. Et je me souviens avoir discuté avec vos collègues de M2 les fois précédentes où j'ai eu cours avec eux. Notamment, je m'adresse bien sûr aux étudiants de Limoges qui me parlaient par exemple du type le plus flippé du monde qu'ils ont découvert notamment sur Instagram, donc des choses comme ça. Donc ça c'est assez important. Bah, sur Grand Papier, alors Grand Papier qui n'est pas très connu, mais qui voilà, fait des BD, des romans graphiques en ligne sur lesquels on trouve parfois des choses excellentes. Hein. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller faire un tour de temps en temps. Et puis on a des publications bien sûr qui rentrent dans la sphère plus marchande, de type Comixology, par exemple, que j'ai cité ici, parce qu'avant, ils étaient uniquement américains, mais maintenant, ils ont une branche française qui est directement liée à Amazon, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Et puis, il y en a plein d'autres, hein, d'ailleurs, qui font ce genre de choses-là. Mais on pourrait parler aussi du développement des Webtoons, par exemple, et des autres systèmes de lecture sur smartphone. Personne ne travaille là-dessus, mais c'est au tout début. Il y a peut-être les travaux, quand même, il faut que je les mentionne, les travaux de Julien Baudry sur la bande dessinée numérique, parce qu'ils sont vraiment passionnants, qui a sorti un ouvrage il n'y a pas très longtemps, que je dois avoir quelque part, mais bon, voilà, je n'ai pas pensé à le sortir de ma bibliothèque. Alors, peut-être qu'il serait, donc ça, c'est du côté des nouveaux médias de bande dessinée, ce qui les transmet, mais il y a aussi le développement des nouveaux types de bande dessinée, et là, il y a bien sûr le récit journalistique, finalement, dont on avait pas mal parlé, quand je vous parlais de Topo, de la revue dessinée, de 21. Il y a l'autobiographie sur laquelle on commence à voir des travaux, mais l'autobiographie est devenue un sujet très fort en bande dessinée, et on a plein de choses absolument excellentes. Évidemment, on peut penser au journal de Fabien Nau, mais tous les ans... alors, je pense au journal de Fabien Nau parce que ça a été publié en premier chez Ego Comics, une maison d'édition qui n'existe plus, qui est une maison d'édition d'Angoulême et qui, vous voyez son nom, Ego, comme Lego, comme X. Et effectivement, l'idée, c'était vraiment de publier avant tout de la bande dessinée autobiographique, c'est-à-dire égocentrée. Je n'ai pas dit égocentrique. Hein. Ne le répétez pas aux anciens éditeurs d'Ego Comics, là, ils vont mal le prendre. Mais bon, peu importe. Mais simplement pour dire qu'effectivement, il y a des choses à faire de ce côté-là, et notamment du côté de ce qu'on appelle la cyclite. Vous savez, en référence à la chiclite, la cyclite, c'est la littérature des gens malades. Et en bande dessinée, on a eu beaucoup de choses, en fait, sur les maladies ces dernières années, en autobiographie de gens qui ont souffert de grosses maladies. Donc, il y a des choses à travailler de ce côté-là. Évidemment, la biographie, c'est un gros marché à l'heure actuelle et personne ne sait
exactement ce qu'on fait. Donc il y a beaucoup de biographies de personnages célèbres qui sortent, qui rentrent dans le marché scolaire. Et donc, évidemment, ça ne va pas vous étonner. Toute la question de l'adaptation littéraire, c'est énorme en ce moment, c'est un champ qui se développe. Et puis enfin, on en a parlé, la vulgarisation scientifique, et vous le voyez sur le PowerPoint, c'est donc toutes ces collections dédiées qui produisent de multiples ouvrages, Sociorama, La Petite BDTech des Savoirs, Octopus. Et donc là, on est vraiment dans la vulgarisation scientifique. Là, il n'y a strictement rien là-dessus. Il y a vraiment des sujets en fait à traiter. Et puis bah, aussi du côté des auteurs, effectivement, alors je pense aux travaux de mon collègue Pierre Nocerino, c'est lui dont je vous parlais tout à l'heure qui fait sa thèse en bande dessinée. Bah, Sylvain Catias, c'est moi, donc je ne devrais pas apparaître là, c'est honteux, c'est narcissique, je vais me faire publier chez Ego Comics finalement. Et puis il y a les travaux des états généraux de la bande dessinée, il y a toute la question de la féminisation de la profession qui apparaît clairement, mais sur laquelle on n'a pas beaucoup d'études. Moi, sur l'enquête sur les auteurs de bande dessinée que je suis en train de finir, on a des choses hein, qui ressortent auprès des autrices qu'on a interrogées. Mais du coup, on regrette un peu de ne pas y avoir consacré davantage de temps. Mais ça demande plus de choses. La multiplication des activités des auteurs, on voit bien que les auteurs de bande dessinée font plein de choses très, 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 très différentes. Et puis, effectivement, il y a toute la question du lectorat, parce que ça, c'est un champ mort. On a cette étude, d'ailleurs, à laquelle j'avais participé, la bande dessinée, quelle lecture, quelle culture, sous la direction de Benoît Berthoud, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une grosse, grosse enquête. Et puis, il y a ce dont nous a parlé Laurent tout à l'heure, qui tient effectivement toute la question de la diminution des lecteurs. Et c'est vrai que finalement, il nous manque vraiment des précisions sur ce point. Alors, sur des points assez particuliers, on connaît mieux les lecteurs de bande dessinée. Mais par exemple, le développement des pratiques de lecture numérique, on n'a pratiquement rien. La lecture de bande dessinée des filles, parce que les filles lisent de la bande dessinée, c'est assez clair, mais globalement, on ne sait pas très bien pourquoi elles arrêtent ou comment, alors que les garçons, on le voit assez bien. La transmission du goût entre pairs à l'adolescence ça, ou pendant l'enfance, c'est des choses qu'on voit assez faiblement. Et puis, c'est le moment en fait, où je repasse la main à mon joyeux collègue, Laurent, pour finir de faire le point, parce que c'est lui le spécialiste sur la diapo qui suit et qui fait la conclusion, je pense, du coup. Hop, voilà, je remets. Et il y a Frédéric qui est parmi nous. Bonjour Frédéric. Mais tu n'avais pas une diapo pour une dernière? Excusez-moi, ça a sauté. Voilà. Donc, c'est dans ce champ des nouvelles problématiques, on peut aussi, on a cité au début, Sylvain a cité l'informatique. Ouais. Et donc, il y a vraiment des recherches importantes qui sont conduites depuis 2011 par donc, Arnaud Revel et Jean-Christophe Burry à l'Université de La Rochelle. Il y a eu plusieurs thèses. Hein. Tout ça a commencé par deux thèses. Et maintenant, ils ont créé ce qu'on appelle un LabCom, donc un laboratoire mixte, université et puis privé. Qui s'appelle le SAIL. Ouais, je vous ai mis le lien pour aller également sur leur site internet. Et donc, le but, c'est de mener des programmes communs de recherche et d'innovation autour de la valorisation de la bande dessinée numérique. Voilà, et donc, le laboratoire de la recherche, c'est le L3I. Et donc, ils ont des objectifs qui sont très ambitieux. Hein. Donc, leurs objectifs, c'est en particulier la recherche de plein texte au sein du corpus de la BD, c'est-à-dire aller extraire le texte et utiliser des algorithmes, des outils informatiques pour traiter, en fait, ce texte. La recommandation automatique issue des thèmes, donc les noms, les lieux, les périodes, les cités, donc reconnaître autant les images que les textes. Également la traduction automatique et sociale des œuvres. Alors, c'est vrai par exemple pour le manga, parce que la traduction, évidemment, prend un temps fou et il développe tout un tas d'outils pour aider les traducteurs à traduire beaucoup plus rapidement les œuvres pour que les mangas, par exemple, puissent être mis sur le marché beaucoup plus rapidement. Ils sont aussi donc dans la recherche d'éléments visuels, donc les objets, les lieux, dans un nombre extrêmement important de bandes dessinées qui ont été auparavant évidemment numérisées. Et voilà, ils essaient de proposer aussi des informations et des services contextuels à la lecture, donc voilà, situer un lieu cité sur une carte, une page Wikipédia, lier des informations en fait à des éléments qui se trouvent sur une bande dessinée. Donc vous voyez, c'est
des recherches qui vont un peu dans, enfin, qui vont dans, vraiment dans plusieurs directions, qui sont extrêmement innovantes et qui prennent de plus en plus d'importance dans, pas simplement l'Université de La Rochelle, hein, mais dans beaucoup d'universités françaises en ce moment. Un pan des recherches qu'on n'a pas évoqué aussi pour l'instant, des nouvelles problématiques de recherche, c'est aussi l'étude des pratiques pédagogiques sur la bande dessinée, évidemment. La bande dessinée qui devient de plus en plus un support de cours et de permet de faire accéder à la connaissance de manière parfois plus ludique ou plus aisée, retrouvant ainsi une de ses premières fonctions. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On a l'impression que de présenter comme ça des bandes dessinées aux enfants, ça va simplifier les choses pour les enseignants. En fait, pas du tout. C'est extrêmement compliqué de faire et de bien le faire, évidemment. Donc, bah voilà, on peut citer, par exemple, dans ce sens, hein, les travaux de Pierre Nocerino, mais aussi menés à Bordeaux, hein, par Estelle Blanquet, par exemple, Philippe Barriga, Éric Pichol et bien d'autres. Et tu as peut-être des choses à ajouter sur ce point En fait, le problème, ce qu'on s'aperçoit à l'heure actuelle au niveau de la pédagogie, c'est le juste pendant historique, c'est le retour des choses en arrière. La bande dessinée, elle a commencé par la pédagogie. Et à l'heure actuelle, on voit bien, et c'était tout le propos de Pierre Nocerino, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qu'il fait, sa grande découverte, lui qui voulait travailler sur la bande dessinée et qui fait un peu de bande dessinée, c'était de s'apercevoir que quand il donnait des cours de sociologie, en fait, ses cours étaient beaucoup plus clairs quand il les faisait en bande dessinée. Et que finalement, il avait réussi, par un autre biais, à montrer des choses à ses étudiants. Alors moi, je ne suis pas aussi doué que lui, il faudra quand même à un moment ou à un autre qu'on essaye de faire des dessins quelque part. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, ce que je sais, en tout cas, pour en avoir beaucoup discuté avec Philippe Barriga pendant les réunions du réseau, c'est effectivement que le travail qu'ils font pour essayer de favoriser l'acquisition de certains contenus par les élèves, ça demande vraiment une réflexion sur la manière dont on utilise le médium, et on ne peut plus l'utiliser uniquement à la manière dont Fleur le faisait, qui était juste illustré. En fait, on a une vision beaucoup plus active des choses. Et c'est intéressant aussi que la bande dessinée puisse devenir un peu interactive, et ça peut aller loin, parce que là, on n'a personne pour en parler, mais les auteurs pourront en parler, ceux en tout cas qu'on recevra, parce qu'il y a plein d'auteurs maintenant qui interviennent en classe et qui vont vers les élèves, et parfois qui ont des difficultés en fait pour arriver à se faire comprendre des élèves. C'est parfois un peu compliqué. Et faire dessiner, on dit toujours, les enfants ont beaucoup d'imagination, et moi ça me rappelle un dessin de Boulet qui dit toujours, c'est pas vrai, les enfants n'ont aucune imagination, ils viennent toujours vous voir et vous disent, dis, qu'est-ce que je peux dessiner là, qu'est-ce que je dois dessiner, mais en fait ils n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire. Bon, je plaisante avec ça, mais ouais, voilà. Enfin, la pédagogie, c'est un vrai chantier, il y a vraiment des choses fantastiques à faire à ce niveau-là. Alors c'est peut-être plus dirigé peut-être pour des gens qui font des études pour devenir enseignants ou ce genre de choses-là, mais néanmoins il fallait le mentionner, c'est important, en sachant aussi que la porte est ouverte vers le supérieur, bien sûr. Je te laisse conclure peut-être. Oui, c'est aussi le cas dans les métiers de la culture, où les artistes ont souvent beaucoup, beaucoup de mal à passer de leur statut d'artiste à leur statut d'artiste enseignant. C'est très compliqué. C'est autre chose. Alors, donc, concluons. Donc, si la bande dessinée a été au début de son histoire en France un objet de recherche illégitime, ce qu'on vous a montré, dès qu'elle s'est dirigée vers un public plus adulte, les chercheurs s'y sont intéressés. Elle est désormais un objet de recherche tout à fait accepté dans beaucoup de disciplines. Plus encore, certains pans de la recherche en bande dessinée restent relativement inexplorés. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de mener ce cycle de conférences qui est destiné non seulement aux étudiants ici présents, mais aussi plus globalement à l'ensemble des communautés scientifiques des universités de Limoges et de La Rochelle. Ce cycle va permettre d'associer des conférences de chercheurs issus de nos deux universités et des contributions de professionnels de la bande dessinée. Alors, on vous présente maintenant le programme des prochaines séances. Laurent, si tu me permets, simplement pour dire que, en fait, on avait dit qu'on ferait 17h-19h, on est déjà presque à 18h30. Ce que je vais proposer aux étudiants, pour ceux qui auraient des questions, c'est de les mettre déjà sur le chat, comme ça je vais les relever au fur et à mesure, même s'ils écoutent en même temps, enfin j'imagine qu'ils sont capables d'être polyvalents, de manière à ce qu'ensuite on puisse déjà les ramener ensuite au sein de la discussion et du débat qu'on va avoir avec Frédéric. Hein, simplement pour le dire comme ça, puis peut-être que du coup on leur enverra le programme par mail
plutôt que de le... Bien sûr, on va pas... Un peu de temps, parce que là, en fait, on a pris un peu plus de temps qu'on ne le pensait. On pensait que c'était, voilà, c'était un peu court, et puis je me suis peut-être un peu trop étalé, en fait. C'est de ma faute. Non, pas du tout. C'est toujours de ma faute. Bon, voilà, tu peux y aller maintenant. Présente-nous, Frédéric. Alors, donc, je repasse, je jongle, excusez-moi. Donc, je ne sais pas si on voit Frédéric. Oui, moi, je le vois bien, en tout cas. Normalement, oui, je pense. Ah, je ne te vois pas. Ah, voilà, bonjour Frédéric. Donc, merci à Frédéric, beaucoup à Frédéric Chauveau d'avoir accepté donc, d'être discutant de cette première séance. Donc, Frédéric Chauveau est non seulement, comme vous l'avez vu, donc, un organisateur de nombreux colloques et de nombreuses manifestations scientifiques autour de la BD. Il a beaucoup écrit sur la bande dessinée. Et, voilà, il vient encore de publier un ouvrage collectif sur le sujet il y a peu de temps, qu'il va sortir très, très, rapide, très bientôt. Et Frédéric est aussi donc, le responsable donc, de du réseau régional sur la bande dessinée. C'est lui qui le porte hein, depuis plusieurs années maintenant et qui est donc l'animateur et le responsable de ce réseau. Je te laisse peut-être la parole, Frédéric. Oui, ben, merci. Là, je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir réussi à me connecter, même s'il y a eu un petit décalage. Alors, peut-être juste quelques éléments pour peut-être lancer un petit peu donc, la discussion, parce que comme le temps est contraint, il reste 30 oui. minutes, il faut toujours respecter donc, les horaires et les bornes chronologiques qui sont données. Non, simplement, je voudrais juste insister sur le fait que si aujourd'hui la bande dessinée est devenue donc un domaine de recherche tout à fait légitime, c'est pas toujours facile dans certaines disciplines de rendre le sujet légitime. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté des historiens, puisque je suis historien, des fois il vaut mieux faire une thèse d'abord sur un autre sujet et après faire une conversion thématique autour de la bande dessinée. Mais il n'est pas évident qu'il y ait beaucoup de chercheurs en histoire qui ont d'abord fait une thèse en bande dessinée et qui ont été recrutés soit par le CNRS, soit par l'université. On peut voir aussi un exemple, il n'existe pas, alors ça ne concerne pas que la discipline historique, c'est aussi la sociologie, les collègues littéraires ou les collègues psychologues, mais il n'existe pas véritablement de chaire de bande dessinée en France. Si on regarde à la fois en Europe, mais aussi en traversant l'Atlantique du côté du Canada et plus particulièrement à Québec, eh bien là, c'est légitime, il y a une chaire, on peut avoir des subventions consacrées, organiser toute une série de manifestations avec des étudiants et des étudiantes. Alors par contre, petit clin d'œil sur la bande dessinée peut-être, vous savez qu'on a une nouvelle ministre de la Culture, et cette nouvelle ministre de la Culture, Bachelot avait donné une interview en 2001 dans les DBD, les dossiers de la bande dessinée. Alors, ça peut servir d'argument aujourd'hui si on veut entreprendre un certain nombre de démarches dans cette direction, mais en même temps, plus sérieusement, l'autre point qui est très important, et c'est ce que disait aussi Pascal Horry, qui est historien, c'est comment la bande dessinée peut structurer donc l'imaginaire des enfants et des adolescents, et après de générations complètes. Puisqu'on peut aussi supposer que dans le futur ou dans l'avenir, peut-être que la version papier ou support papier va peut-être se déliter de manière plus profonde, que ce sera remplacé par exemple par les dessins animés, par les jeux vidéo, et que l'imaginaire des futures générations ne sera pas le même imaginaire que celui des générations passées. Alors, je reviens à Roselyne Bachelot, mais voici ce qu'elle dit, hein, voilà, pour ne pas la trahir ou la surinterpréter. Étant enfant, j'ai lu le journal de Fripounet et Marisette. Alors, je suis sûr que ça ne vous dit absolument rien. Et j'ai notamment découvert les aventures de Sylvain et Sylvette. Regarde, je suis sûr aussi que ça ne vous dit absolument rien. Et de leur affreux compère, dessiné par Jean-Louis Pêche. Mais c'était la seule BD qui rentrait à la maison. Puisqu'à une époque, effectivement, donc les parents, si je peux dire, gouvernaient les lectures de leurs enfants, même quand ceux-ci avaient un âge assez conséquent. Et historiquement, finalement, les premières bandes dessinées qui sont rentrées dans les foyers, si je peux dire, de la société française, c'est à la fin du 19e siècle et au cours de la période de l'entre-deux-guerres, c'est les bandes dessinées qui étaient dues donc à Christophe.
Alors Christophe, c'est un pseudonyme en fait, il était professeur de sciences naturelles, mais il ne pouvait pas donc apposer son prénom et son véritable patronyme, et c'est lui qui est l'auteur du Sapeur Camembert, de La Famille Fenouillard, avec un humour parfois donc un petit peu passé ou qu'il faut donc décoder aujourd'hui, mais c'était une façon à ce moment-là de rendre légitime quand même dans l'éducation, par l'entremise des parents, la bande dessinée. Ça, c'est un aspect qui est quand même assez intéressant. Et puis après, bon, ça a été très bien dit dans la présentation. Donc là, je ne veux pas avoir grand-chose à dire, mais dans les années 30, c'est effectivement c'est Hachette qu'on surnomme la pieuvre dans le domaine de l'édition, qui va à la fois donc publier donc les auteurs américains, Mickey, mais aussi Zig et Puce. Donc à ce moment-là, la bande dessinée donc francophone et les deux vont presque être à égalité, mais ils vont pénétrer donc de manière plus importante hein, dans les familles. Alors évidemment, parfois les parents vont trouver un prétexte pour lire, si je peux dire, les ouvrages de leurs enfants. Voilà. Et puis, je voudrais aussi insister sur le fait que la bande dessinée reste quand même un produit qui est très marqué culturellement et on a du mal à l'imaginer. Et on peut prendre pour cela, par exemple, certains troubles mentaux. Vous avez quelqu'un qui est plutôt donc une romancière qui avait fait donc un ouvrage absolument intéressant sur les mystères du rectangle, qui est en fait une manière de décoder la peinture, comment lire une toile, une peinture. Et elle s'était intéressée aussi à la psychiatrie et à la psychanalyse. Et notamment à travers une malade. Cette malade, dans les années 30, avait l'impression qu'il y avait des personnages de bande dessinée qui lui montaient sur les bras, pour aller donc jusqu'aux épaules et jusqu'à la tête. Alors, j'avais jamais lu ça jusqu'à présent. J'ai trouvé l'idée donc tout à fait intéressante. Mais ces personnages, eh bien, c'était des personnages de bande dessinée, mais comme la malade, en fait, était aux États-Unis, c'était des personnages de bande dessinée, donc américains. Alors que si, par exemple, dans les années, je sais pas, au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, quelqu'un qui aurait eu des troubles mentaux aurait peut-être vu des Lilliputiens, par exemple, gravir à ce moment-là donc son corps, mais ça montre bien aussi l'empreinte de la bande dessinée, puisqu'à ce moment-là, ça conditionne aussi donc les repères. Et c'est ça que je trouve aussi donc passionnant avec la recherche sur la bande dessinée. Et puis peut-être, dernier point, sans faire un inventaire ou un catalogue, mais jadis, vous savez, il y avait un slogan publicitaire pour un grand magasin qui était la Samaritaine, et la publicité, c'était la Samaritaine, on trouve absolument de tout. Et aujourd'hui, avec la bande dessinée, en fait, il n'y a pas d'interdit, ça a été dit à plusieurs reprises, hein, dans ce que vous avez montré tout à l'heure, mais on peut aborder éventuellement tous les sujets, toutes les thématiques, aussi bien les sujets du quotidien, par exemple le sort de fermier ou d'agriculteur du 21e siècle, c'est tout à fait donc légitime. On peut aborder aussi la question de la guerre en Afghanistan. Voilà, il y a des bandes dessinées qui abordent ces sujets-là. La question de la place des femmes. Et puis, vous l'avez évoqué aussi, dans la question de la sensibilisation, ce n'est pas tout à fait pareil que la valorisation. La sensibilisation, on peut par exemple aujourd'hui faire des campagnes, on commence à faire des campagnes, par exemple, de vaccination pour le cancer du col de l'utérus qui s'adresse à la fois aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes garçons, parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut que les deux soient sensibles. Et la bande dessinée peut être un support pour s'adresser donc à ce public. Alors, il y a 10 ans, c'était quelque chose qui était absolument donc inenvisageable. Et là, vous l'avez bien montré à travers les revues, les derniers magazines, la bande dessinée maintenant donc, est à peu près donc partout. Alors qu'à une époque, et c'est aussi la difficulté du temps contemporain, c'est que les bandes dessinées à plus de 5 000 titres présents donc par an, c'est extrêmement difficile. Alors que un auteur de bande dessinée, donc Philippe Drouillet, racontait que dans sa jeunesse, alors que pour le situer, ses parents étaient plutôt vichistes, collaborateurs, etc. Donc il y a un certain nombre de bandes dessinées qui n'avaient pas le droit de venir, notamment le journal Vaillant qui avait la réputation d'être communiste. Bref, alors c'est juste pour le situer, il a pris le contre-pied de ses parents. Mais à l'époque, c'était Tintin, ou alors vous aviez bon, certaines revues américaines qui faisaient introduire Flash Gordon. Et Flash Gordon en français, c'est Guy Leclerc. Eh oui. Donc toute sa vocation vient de là. Voilà, c'était juste quelques éléments. Donc, mais ce qui me semblait intéressant, c'est aussi dans la perspective d'une histoire culturelle, comment la bande dessinée peut structurer des imaginaires, et à ce moment-là, on n'y échappe pas. Et c'est, alors, pour réagir à ce que tu dis, moi j'ai plusieurs choses quand même pour rebondir.
La première chose, simplement, enfin, ce que tu disais à propos de cette mallette qui avait des personnages américains de bande dessinée qui lui apparaissaient sur les bras, moi, ça me fait penser en fait à l'ethnopsychiatrie, tu sais, développée par Toby Nathan, qui explique en fait que bah, ce sont les univers culturels des patients qui vont donner sens, en fait, finalement, aux formes des pathologies. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut pousser les choses plus loin et en dehors, d'ailleurs, du domaine psychiatrique. C'est vrai qu'il y a des choses qui se traduisent parfois pour les fanatiques de bande dessinée en bande dessinée directement. C'est-à-dire que des gens vont penser en fait à l'aide de personnages de bande dessinée. Et alors évidemment, ça fait plutôt appel à des lecteurs experts, bien sûr. Mais quand même, c'est quelque chose d'assez intéressant, me semble-t-il, de voir comment cette sensibilité peut s'affirmer. La deuxième chose que je voulais dire, mais c'est pour poser un petit bémol, parce que tu as raison, peut-être qu'il ne faut pas toujours avoir fait sa thèse sur la bande dessinée. Mais moi, ce qui me trouble, c'est quand même ces 10 dernières années, on a eu la thèse en histoire de Sylvain Lesage, on a eu celle de Jessica Koen. Deux sont en poste à l'heure actuelle. Ils sont en poste en histoire contemporaine, mais ça veut dire que, malgré tout, le fait qu'ils aient fait leur thèse sur la bande dessinée ne les a pas desservis. Et ça, quand même, c'est relativement important, et je pourrais multiplier les exemples, parce que son nom m'échappe, mais il y a une jeune collègue aussi qui a eu un poste l'année dernière, qui était civilisationniste dans le domaine anglo-saxon aussi, et qui a fait sa thèse sur la bande dessinée, sur les comics. Alors, c'est ça. Bien sûr, tu as raison, il y a encore des domaines où c'est difficile de faire admettre la légitimité, mais malgré tout, c'est assez difficile de dire que, enfin, il me semble quand même qu'on voit vraiment une plus grande acceptabilité de la bande dessinée à l'heure actuelle dans les recherches et dans les thèses, hein. Et puis l'autre chose, en fait, à laquelle tu m'as fait penser, et ça je m'en veux parce que on aurait dû y penser, il y a une thématique dont on n'a pas parlé du tout, une problématique de recherche, c'est quand tu as parlé des jeux vidéo en disant la sensibilité évolue. Mais en fait, et c'est bizarre parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps à la dernière réunion du réseau. Mais c'est tout ce qui tient à la transmédialité. Et effectivement, travailler sur la bande dessinée, c'est aussi travailler sur le jeu vidéo, c'est aussi travailler sur les adaptations en dessin animé, parfois au cinéma. Et on peut très bien imaginer de travailler directement sur ce qu'on appelle la transmédialité en essayant de travailler une œuvre à travers différents médias et essayer de voir comment elle les parcourt, comment elle change, comment elle évolue. Et là-dessus, on manque de travaux parce que finalement, tout ce qu'on a à l'heure actuelle sur la transmédialité et qui vise parfois à nous démontrer que les jeunes seraient plus actifs dans leurs pratiques culturelles, parce que justement la transmédialité permettrait ça, on n'en a pas de véritable preuve. On n'a aucun sondage, aucune statistique, aucun travail scientifique réel là-dessus. Et donc ça remet en cause plein de choses, et il y a de véritables travaux à monter là-dessus, hein. Ça, c'est vrai qu'on a oublié complètement cette partie-là, tu vois, Laurent. On savait qu'on avait oublié quelque chose, forcément. Je veux dire, les problématiques sont tellement larges, tellement ouvertes, que nécessairement, ben voilà, on n'a pas le choix. On devait en oublier. Mais c'est vrai que sur la transmédialité, il me semble que c'est un sujet particulièrement important. Je ne sais pas, Laurent. Excuse-moi, juste une chose sur. Je pense qu'il y a aussi certaines disciplines, comme en histoire contemporaine, où des gens comme Frédéric, j'ai oublié de dire que Frédéric Chauveau est professeur en histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Et voici d'ailleurs le dernier ouvrage qui vient juste d'être publié, donc Corps handicapé et corps mutilé dans la BD. Voilà, c'est aussi grâce à des gens comme Frédéric que des gens ont eu le courage de faire des thèses, ce qui n'est absolument pas vrai. Par exemple, en histoire ancienne, c'est même pas envisageable. En histoire médiévale, c'est la même chose. C'est compliqué. Voilà. Vraiment. Et Non, mais pourtant. effectivement, sur la légitimité, c'était ça le point sur lequel je voulais insister. C'est-à-dire, chaque discipline a ses particularités. En histoire, nous, on est divisé depuis longtemps, donc en 4 périodes académiques. Donc, pour l'histoire contemporaine, à condition encore de faire peut-être une histoire des revues, des publications, des tournants, ouais, mais faire par exemple une histoire de contenu, c'est-à-dire se plonger véritablement dans un corpus, dans une série, et essayer d'analyser à ce moment-là donc les évolutions, ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors effectivement, on peut être pessimiste, raisonnable, donc optimiste au total, pour dire que bon, ça va donc s'accroître. Mais par exemple, un collègue d'histoire ancienne qui serait, je sais pas moi, tombé fou amoureux dans sa jeunesse de l'Égypte ancienne, s'il fait une thèse sur l'Égypte ancienne dans la bande dessinée, je ne suis pas sûr, par exemple, qu'il serait recruté. Par contre, une fois recruté, rien ne lui interdirait, si je puis dire, d'aller dans cette direction-là. C'était ça. Alors, sur la légitimité,
Je reviens aussi sur un aspect, je crois, qui est intéressant dans ce que vous avez montré et qui n'est pas toujours bien étudié, mais je vais prendre un exemple qui est peut-être connu par tout le monde, c'est l'exemple du dessinateur Maurice et de Lucky Luke. Et Maurice a souffert pendant longtemps en fait, d'un défaut de légitimité, non pas pour son personnage, mais tout simplement pour l'objet livre, l'objet album, parce que l'objet album, la couverture était souple. Ouais. Et par rapport à ses concurrents comme Astérix ou Obélix, où là, on avait un album dur qu'on pouvait ranger, donc on avait l'impression d'une sorte de dénivellation. Bon voilà, l'album dur, c'était pour les élites, et puis l'album souple, voilà, c'était un petit peu donc le bas de gamme de l'édition et de la publication. Donc là, il y a eu aussi comme ça une sorte de rivalité, et il a fallu aussi s'affirmer, ne serait-ce que par l'objet matériel, qui est un élément, un secteur là, qui se développe de plus en plus dans certaines disciplines, et notamment en histoire, pour pouvoir asseoir son personnage et puis tout ce qu'on pouvait dire autour. Alors, je sais, moi, j'ai toujours pas de questions pour l'instant, donc j'attends. Enfin, étudiants de France et de Navarre, vous avez bien des questions sur tout ça. Ouais. Voilà. Oui, vous pouvez aussi lever la main et allumer votre caméra si vous avez une question, dit Laurent. Mais de toute façon, enfin, voilà, moi, je sais que j'ai au moins deux ou trois étudiants des métiers de l'édition qui font un travail de recherche sur la bande dessinée. Alors peut-être qu'il y a des choses quand même qui leur posent question dans tout ce qu'on a dit. Non, je ne sais pas. Blandine, Maxime, au travail. Ouais, je suis comme ça, je suis chiant. Ben, je ne sais pas, moi ça n'évoque pas votre intérêt. J'imagine que parmi vous, ou parmi les sémioticiens ou ceux qui sont en métier de la culture avec Laurent, la bande dessinée, c'est un objet qui n'est pas toujours très considéré, quoi. Or, à l'heure actuelle, on parlait tout à l'heure de la baisse, par exemple, des ventes de... Enfin, pas de la baisse des ventes, parce qu'elle est toujours remontée, mais de la baisse de la lecture de bande dessinée. Ah, Maxime en stage, pardon. Merci, Éponine. Blandine, alors Blandine, elle dit, c'est surtout intéressant sur le contexte, et je pourrais en effet venir pour mon mémoire. Mais alors, sur le contexte, il y a quand même plein de choses, parce que, moi, je vois bien depuis quelques années, par exemple, que l'intérêt des étudiants est vraiment tourné vers le manga. Là, c'est vraiment quelque chose de très travaillé. Mais par exemple, la manière dont le manga s'est développé plutôt pour les... pour les plus jeunes, hein, ça a été vraiment un phénomène générationnel. Mais le manga, par exemple, je ne sais pas, il faut poser la question à Blandine ou à d'autres, mais il ne vient pas par le manga. Le manga, il vient par les animés la plupart du temps. C'est d'abord parce qu'on voit des animés qu'on lit ensuite du manga, non ? Je ne sais pas, moi. Et ça pose la question de la transmédialité dont on parlait tout à l'heure. Ah, il y a Lorraine qui dit non, pas pour mon cas. Et Blandine, elle dit oui et non. Mais alors, c'est quoi votre cas, Lorraine ? Ouvrez votre micro, là, on n'est pas, il n'y a que vous, on sera de cache. Allez-y, Lorraine, racontez-nous. Lorraine. Bon, Lorraine, éteignez. Lorraine, éteignez votre micro parce que ça fait de la peine. Voilà, éteignez votre micro. Et puis, essayez de nous répondre dans ce cas-là par la discussion, simplement. Et donc, Blandine me dit, j'aime parfois lire un manga avant d'en regarder l'animé. Oui, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, Blandine. Ce que je voulais dire, moi, par exemple, j'ai un étudiant qui a travaillé sur les lecteurs de manga. Alors, probablement, des gens qui sont un petit peu plus vieux que vous, qui ont plutôt à l'heure actuelle une trentaine d'années, parce que ça remonte déjà à 7-8 ans. Mais par exemple, ce qu'il a bien remarqué, c'est qu'il y a un vrai phénomène générationnel, des gens qui ne connaissaient pas le manga, qui ont regardé, alors qu'ils sont des gens plutôt de la génération, vous savez, Club Dorothée et tout ça, donc ont découvert les animés d'abord, et qui ensuite ont été regardés finalement, qui ont d'abord vu les dessins animés, et qui ensuite se sont aperçus que ça existait aussi en manga, et que c'était d'abord des mangas, effectivement. J'ai une remarque de Nicolas qui nous dit, bah ouais, mais alors nous, vous savez, en sémiotique, il a bien raison de défendre sa discipline, il dit, mais en sémiotique, en fait, il n'y a pas de problème de légitimité. Voilà, ils ont de la chance, ces sémioticiens. Mais tu as raison, Nicolas, parce que, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein,
Mais c'est vrai que c'est vraiment le premier champ qui a accueilli l'étude de la bande dessinée. C'est net, hein. En termes de recherche, vous avez été les premiers, la sémiologie d'abord, puis la sémiotique. Mais voilà, on va considérer quand même que c'est relativement proche. Et même ceux qui l'ont fait, enfin, moi, quand je regarde les études qui ont été faites en études littéraires, vraiment en lettres, hein, il y en a plein, c'est de la sémio, en fait, hein, c'est très clair. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir à ça, à la question de la légitimité, pendant que je lis Juste pour ajouter peut-être une précision, pour Pierre Fresneau de Ruel, moi je l'ai écouté une fois dans un colloque à Genève, et il était capable, par exemple, de parler pendant 20 minutes d'une seule case. Alors, vu le nombre de cases par page et le case d'album, là, je me suis dit que là, nous, on était surclassés complètement comme historiens. Voilà, nous, on n'était pas tout à fait dans le même registre. Nous, il faut quand même, on croule un petit peu sous la documentation et sous le corpus pour pouvoir avancer un certain nombre d'idées. Mais donc, effectivement, là, l'autre question aussi qui est un petit peu sous-jacente, c'est celle du fait qu'on dit que la bande dessinée, c'est un objet culturel finalement non identifié. Et cet objet culturel non identifié, voilà, comment on peut en parler quand on appartient à différentes disciplines et comment on peut aussi faire converger les approches. Et ça, je crois que c'est un vrai problème. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire dans le réseau, parce qu'on est très différents, on n'a pas du tout les mêmes trajectoires, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Mais ça, je crois que c'est aussi une vraie question. Et si on arrive bien, finalement, comme ça, donc, à créer des liens, à être dans l'interaction, ben, du coup, voilà, la recherche en bande dessinée ne pourra finalement que progresser, puisqu'on peut aussi supposer dans d'autres domaines que certaines disciplines ont creusé leur sillon, puis finalement, au niveau des problématiques, des possibilités, s'épuisent un petit peu. Et donc, on a toujours besoin du contact des autres, finalement, pour pouvoir renouveler ces objets et ces approches. Et il n'y a que comme ça, finalement, qu'on peut aussi aller de l'avant. Alors, je vais essayer de suivre. Alors, voilà. Parce que j'ai demandé à Lorraine, parce que Lorraine me dit, j'ai découvert le manga au collège par un manga qu'on m'a offert, et puis j'ai découvert les animés quelques temps plus tard, en cherchant ce qui m'intéressait. Donc, elle a exploré, donc je lui ai demandé quel âge elle avait, et en fait, elle me dit qu'elle a 29 ans. Et effectivement, du coup, elle correspond à la génération ensuite postérieure, où le manga était vraiment déjà bien disponible en librairie, et où on n'était pas obligé, et où d'ailleurs, il y avait un peu moins d'animés à la télévision. Hein. Donc, effectivement, ça me semble tout à fait compatible. J'ai eu une réflexion aussi de Blandine qui dit « Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est majoritairement des hommes qui produisent des BD, selon les divers exemples que vous avez donnés. » Alors, c'est vrai, mais ça ne l'est plus tout à fait quand même depuis une quinzaine d'années. Alors, toujours est-il que malgré tout, je pense que c'est encore majoritairement des hommes. On doit être sur un 60-40 à peu près. Hein. Mais ce que je sais, par exemple, c'est quand je regarde les chiffres d'inscription à l'École européenne supérieure de l'image, donc l'ESI, où on forme les jeunes auteurs, en fait, il y a plus de filles inscrites que de garçons. Et ce qui veut dire, et puis moi, je vois bien aussi que quand même, il y a de plus en plus de publications de femmes, des publications de plus en plus diversifiées. C'est un phénomène assez nouveau, encore, je veux dire qu'il y a une vingtaine d'années, parce que c'est vrai, nous, on a connu cette époque où, en fait, à part Annie Götzinger et Claire Bretéché et quelques autres, on n'avait pratiquement pas d'autrices qui... Et puis, là, à l'heure actuelle, il y a eu cette vague aussi, peut-être, de la bande dessinée girly, hein, qu'on a vue avec Pénélope Bagieux, et qui a commencé aussi, peut-être aussi sur Internet, mais c'est vrai que... Ben voilà, il y a un nouveau phénomène et c'est aussi pour ça que je parlais de travailler la féminisation de la profession. Je ne sais pas. Alors, Léa, elle me dit des hommes qui produisent des BD mais qui parlent de femmes de manière très sexuelle. Ben oui, c'est vrai forcément. Hein. C'est vrai. Je ne sais pas, vous voulez rebondir tous les deux parce qu'il ne faut pas que j'ai seulement la parole. Là-dessus, alors peut-être que Laurent veut dire quelque chose, mais on va normalement ouvrir à partir du 29 novembre une exposition donc virtuelle, puisque ça correspondait à une exposition qui aurait dû être physique, mais qu'on n'a pas pu tenir. Et il y avait donc une autrice comme Chantal Montelier qui traitait des planches originales. Alors du coup, on a transformé ça, mais en même temps, en montant cette exposition, on a découvert qu'il y avait aussi donc une autre version graphique auquel on n'avait pas forcément songé, qui sont les fanzines. Parce que les fanzines, en principe, voilà, la règle, c'est qu'il faut pas. Alors, il peut y avoir des définitions différentes, mais il faut que le nombre d'exemplaires soit plutôt donc limité, hein, que ça ne dépasse pas un seuil de 300. C'est un des critères parmi d'autres. Et il existe des fanzines, notamment dans un certain nombre de pays, et en particulier en Argentine, qui sont donc produits par des auteurs femmes.
avec aussi des thématiques qui ne sont pas forcément celles qu'auraient mis en avant des auteurs hommes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est tout. Et on s'est rendu compte aussi dans une autre production collective en travaillant sur les violences faites aux femmes dans la bande dessinée. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'albums plus anciens où ce sont des hommes qui traitent de deux femmes. Bon, voilà. Mais on a aussi maintenant des nouvelles générations d'auteurs ou d'autrices qui mettent en avant donc des questions de violence, de harcèlement, même parfois aussi des aspects sur la violence économique qui ne sont pas forcément abordés, ou des sujets parfois plus intimes, plus difficiles, comme la question du viol conjugal. Qui est très difficile à aborder, voilà, qui est reconnu par le législateur, mais bon, il n'y a quasiment aucune poursuite. Et là, la bande dessinée peut avoir donc de multiples fonctions. Voilà. Et ça, effectivement, c'est, si bien ce que tu disais, là, maintenant, on assiste aussi donc à un changement qui date sans doute d'une dizaine d'années, mais qui devient donc maintenant beaucoup plus ferme. Ouais. Et là-dessus, moi, j'aimerais bien rajouter, pour répondre aussi à Léa, en fait, c'est une autrice que j'ai rencontrée au cours de l'enquête qui m'en a parlé. Et c'est vrai qu'on a tout un courant. Alors, les jeunes qui émergent maintenant, par exemple, qui vont sortir de Lézy ou de Saint-Luc, et notamment les jeunes femmes, mais pas seulement, les jeunes hommes aussi, hein, sont beaucoup plus conscients, justement, des violences faites aux femmes et ont tendance à faire beaucoup plus attention à leurs propos. Et cette autrice, en fait, qui ne travaille quasiment que dans le domaine alternatif, dans des fanzines, mais qui publie beaucoup, notamment dans la presse LGBT, et ce n'est pas un hasard, elle est très, très comment dire, militante là-dessus, eh bien, c'est quelqu'un qui en a fait un peu son, comment dire, son cheval de bataille. Et d'ailleurs, elle le dit clairement, elle dit « mais moi, je ne publierai pas, je ne vais pas publier chez Casterman, ça c'est clair, Casterman, ils ne voudront jamais de moi, j'ai un propos profondément militant, ça va les choquer, je fais des dessins, je montre des choses horribles, parce qu'il y a des choses horribles qui arrivent, et de fait, ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut faire, et ça reste dans le domaine alternatif, mais on a quand même de plus en plus de gens qui ont ce type de sensibilité-là. Et ça, c'est ce qui change vraiment. Mais alors là, moi, je vais dire vraiment ces 10 dernières années, parce que la vague de la bande dessinée girly à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, autour de Pénélope Bagieu et de quelques autres, ça montrait, on va le dire comme ça, même là, parfois, ça montrait un côté un peu futile de la féminité, avec des femmes qui se souciaient beaucoup, on va dire. Alors en même temps, c'était intéressant parce que ça montrait les soucis du quotidien, et je ne veux pas attirer sur Pénélope Bagieu, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choses qui sont tout à fait de qualité, mais c'est vrai que ce mouvement un peu girly n'a pas été dans le sens d'une remise en cause, justement, de la violence qui peut être développée dans le propos de certains auteurs masculins de bande dessinée. Et là, au contraire, les auteurs dont on parle, et puis Frédéric parlait de Chantal Montelier, ça c'est très très clair, Il y a quand même des femmes qui se sont exprimées et qui ont défendu aussi ce type de choses. Moi, j'arrive plus à me souvenir, c'était Odile et les crocodiles, c'est ça, Frédéric ? De Montelier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vachement bien. Je me souviens encore de ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a répondu à tout. Laurent, tu voulais dire quelque chose ? Non, simplement pour leur dire qu'ils pourront discuter avec Marzena Sowa. Hop. Ouais. Parce qu'elle sera avec nous dans quelques semaines, donc vous pourrez lui poser toutes vos questions. C'est donc elle fait beaucoup de scénarios de BD. Elle est connue pour Marzi, donc c'est une histoire biographique et qu'elle fait en collaboration avec Sylvain Savoya. Et donc vous pourrez lui évoquer toutes ces questions avec elle. Ouais, c'est important parce qu'en fait, moi, ce dont je me suis aperçu aussi au cours de l'enquête auteur, c'est que parfois certaines femmes en parlent clairement. Même entre auteurs et au niveau des éditeurs, eh bien, y a un certain sexisme, et notamment, les jeunes autrices, on les pousse plus vers la littérature jeunesse et l'illustration jeunesse. Voilà, parce que finalement, c'est pour les enfants, qui mieux peut parler aux enfants qu'une femme, vous savez, avec son côté maternel. Bon, je ne vais pas me moquer davantage des éditeurs, on en parlera quand on les aura ici, on leur demandera pourquoi ils font ça, mais c'est vrai qu'il y a cette question-là, en fait, qui est quelque part, et comment on travaille aussi dans ce milieu-là, qui n'est pas toujours un milieu dépourvu de tout sexisme parfois. Donc voilà. Alors je ne veux pas dire que c'est le plus sexiste, ce sont des gens plutôt tolérants, mais bon, voilà, en tout cas. Alors attendez, je lis parce que j'ai encore des questions qui arrivent. C'est intéressant aussi de pouvoir avoir le point de vue d'une femme, me dit Blandine. Eh bien oui, parce que donc là, on aura donc Marzena Sowa. Ça, c'est relativement bien. Et puis j'ai Ortega. J'ai juste Ortega qui est marqué, alors je ne sais pas, mais comme elle me dit qu'elle est étudiante, elle doit avoir un prénom. Enfin, j'imagine qu'Ortega, c'est un nom. Oui, la situation des artistes de BD est difficile.
Bien sûr, ouais, alors au Pérou, ça c'est très très clair, ils défendent pas du tout la culture de lecture de la bande dessinée. La bande dessinée, de toute façon, en Amérique du Sud, ben, on va le dire comme ça. Alors le Brésil, ça s'est beaucoup développé, j'ai parlé de l'Argentine tout à l'heure. Il y a des pays où c'est très développé, il y a des pays où c'est quasiment impossible, même encore plus près de nous, hein, au Portugal. Moi j'ai un copain qui est auteur de bande dessinée au Portugal, il a arrêté la bande dessinée et il enseigne maintenant les arts plastiques, hein, parce que de toute façon, pour faire un album, il a dû publier 3 albums. C'est hyper dur, quoi. Enfin, voilà. Il y a des cultures, en fait, c'est vrai quand même, il y a des cultures qui sont plus ouvertes à la bande dessinée. C'est un phénomène culturel. Ça reprend un peu ce que disait Frédéric tout à l'heure sur son exemple à partir de la psychiatrie. Moi, je pense aussi qu'il y a des sphères culturelles où la bande dessinée s'est plus développée, très clairement. Je ne sais pas, Frédéric, qu'est-ce que tu en dis? Désolé, voilà, le temps de remettre le micro. Non, mais effectivement, donc il y a des aires culturelles particulières. On a par exemple un doctorant voilà, qui a fini sa thèse et qui était d'origine gabonaise, qui est retourné au Gabon et qui a intégré maintenant l'équivalent du CNRS et qui a travaillé sur la bande dessinée gabonaise. Donc c'est une bande dessinée qui est quand même très très référentielle. Voilà, donc quand on n'a pas tous les codes, tous les clés, voilà, il y a des choses qui nous échappent. Mais par contre, pour se moquer un petit peu des rôles masculins et féminins, pour critiquer, mais de manière doucereuse, un certain nombre d'hommes politiques, et puis voilà, c'est aussi, donc là, on est dans le registre de la contre-culture. Voilà, mais cette contre-culture qui commence à s'affirmer. Voilà. Et ça, je trouve ça donc tout à fait passionnant et intéressant. Et puis, il s'appelle Judy Khaled-Sylla et il avait surtout insisté sur certains gestes, et notamment le geste de l'index, qui figure très souvent dans ses bandes dessinées, avec le sens que les lecteurs ou les lectrices pouvaient lui donner immédiatement. Alors moi, j'ai une dernière réponse pour Ortega. Donc, en fait, il faut conseiller aux auteurs péruviens d'essayer de faire des résidences en Europe. Parce qu'en Europe, on est friand des artistes de bande dessinée. Ça va ils vont sortir un peu de tout ça. Et puis, on a quand même des associations, je pense notamment à Angoulême, à l'association Marsam, qui font des gros efforts pour faire découvrir des artistes étrangers à la France. Notamment, ils avaient fait une grosse exposition sur la bande dessinée brésilienne. Donc voilà, mais je pense que donc nous, à Angoulême, il y a la Maison des auteurs, bien sûr, mais il y a plein d'autres gens à Maison Lausanne. des écritures aussi à La Rochelle. Voilà, il y a des résidences aussi à La Rochelle, puisque Marzena Sowa est en résidence à La Rochelle. Et à Donc, Poitiers. et à Et à Poitiers, Poitiers voilà, il y aussi. en a partout, en fait. Bon, et il n'y en a pas à Limoges, hein, je suis désolé, donc moi, je suis obligé de défendre Angoulême. C'est embêtant, quand même. C'est pas Vous êtes si des loin. peinards, tous les deux, hein. Bon, mais ce que je veux dire aussi, ouais, je crois que vraiment la solution pour les artistes étrangers qui n'arrivent pas à trouver vraiment un écho dans leur pays pour l'instant, c'est de jouer la carte internationale, hein. Vraiment, c'est le meilleur moyen. Il est peut-être temps qu'on conclue, Laurent.